Bonsoir à tous, merci pour nos invités. Ça fait plaisir, c'est une des dernières soirées de l'année. Merci, bienvenue sur le plateau de Ça se discute. Vous le savez, il existe un médicament impérissable et malheureusement introuvable en pharmacie qui s'appelle le rire. C'est scientifiquement prouvé. Une franche rigolade est un euphorisant naturel qui diminue la douleur, qui chasse le stress. En fait, une toute petite minute de rire équivaut en fait à une demi-heure de relaxation. C'est très économique. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête. Les Français qui ne rient pas plus de 6 minutes par jour en redemandent. La vie, c'est pas rigolo tous les jours et on est bien content ce soir d'être avec nos invités pour l'une de ces dernières soirées de l'année. Les humoristes font salle comble comme jamais. Bigard a même rempli le Stade de France. Les DVD des spectacles comiques se vendent comme des petits pains et les comédies font les grands succès du cinéma et même Coluche, qui a disparu il y a presque 20 ans, fait encore partie du quotidien des Français. Des Français qui veulent rigoler beaucoup, de tout, pour se rendre la vie plus légère. Alors Ça se discute donne la parole ce soir à un métier d'utilité publique, les humoristes, et je vous demande de tous les accueillir sur notre plateau. Merci. Cadet Olivier, bonsoir. Plaisir de vous revoir. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple maintenant? Ça va faire 16 ans bientôt, hein. On va fêter nos 16 ans bientôt, hein, mon amour. Hein. 16 ans. Olivier plus cérébral, 4 qui n'arrête jamais, c'est quoi le ciment du couple? Alors là, si on savait... Ça m'aurait pas plu, moi, plus cérébral, moi, et toi. C'est toi le ciment? Non, c'est ouais. Moi, je suis le ciment du couple, c'est ça? Je sais pas, ça a l'air de tenir, en tout cas. Oui, oui, ouais, ça tient. Ouais, ouais. Bah, parce qu'on continue de surprendre et d'avancer, d'évoluer, de... Je sais pas, de chercher autre chose que ce qu'on fait tous les jours, quoi. Tu veux dire que tu t'es mis au travail? D'accord, on se tutoie, ok, d'accord. Non. Bonsoir Michel, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, bonjour. Il était très beau ce spectacle des Démons de Midi. Oui. C'est agréable. Une grande prétention, oui. S'inspirer de sa propre vie, ça aide à mieux vivre sa vie. C'était pas de la mienne d'abord, c'était celle de Florence Sestac qui avait fait la bande dessinée. Et puis après, la vie a fait que ça a traversé la mienne. Mais oui, c'était un bon moyen de lâcher les vannes, de passer à autre chose. C'est qu'à le dire. Pierre Mathieu est également avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous nous expliquerez d'où vient votre grande fantaisie, vos fous rires communicatifs. À quel âge j'avais compris que faire rire les autres, ça servirait de bouclier tout le temps contre l'agressivité du monde? Ah ben c'est très, très tôt, parce que moi j'ai grandi dans un milieu très rude, quoi, la bourgeoisie des Hautes-Pyrénées qui est violente, quoi, on s'affronte à coups de sébagos, de blousons en cuir marque. Et vous pratiquiez la stratégie de l'évitement? C'est ça. Non, mais très tôt, en famille, en fait. Très vite, j'ai remarqué qu'on pouvait éviter une grosse gifle en sortant une bonne vanne. Donc, du coup, je l'ai appliquée après. Et votre mère vous court toujours après, elle n'a jamais réussi à vous toucher? Jamais, encore. Anne de Petrini, bonsoir. Alors bonsoir. Anne, on se connaît depuis Canal+, mais avant ça, vous vous destiniez à une carrière de journaliste économique dans le Revenu français, c'était très sérieux. Ouais. Vos parents étaient fiers de vous, et puis tout oui, d'un coup, vous avez ripé, vous êtes devenue Miss Météo, très rigolote à Canal, et puis vous serez bientôt au théâtre. Exact. Sur scène avec d'autres filles dans une pièce qui s'appelle Jour de neige. Mon vieux copain Élie Semoun est avec nous. Bonsoir Élie, qui bonsoir. Était hier soir à Rodez. Pas trop stressé? Comment? Pas trop stressé? Non, ça va. Ça va. J'ai l'intention de dormir un peu pendant l'émission. Ça va me détendre un peu. Alors derrière ce garçon, cet humoriste qui fait rire tout le monde, il y a un garçon qui est toujours très angoissé. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne juste pas, là, vous êtes... il est là. Il est là. C'est moi. C'est mon double. C'est votre double, c'est votre angoisse. Et derrière, il est là. Putain, qu'est-ce que vous remplissez des salles immenses. Combien de personnes hier soir vous ont vu? 3500. Quel plus beau compliment qu'on puisse vous faire après un spectacle? Le plus beau compliment, qu'on a passé une super soirée et qu'on s'est détendu, forcément. Et que j'ai vaincu une certaine morosité. Enfin, je pense que c'est le sujet de l'émission. Voilà. Et c'est le but quand on vient vous voir. Si on me disait ça, je serais heureux. Clémentine à vos côtés. Bonsoir Clémentine. Je vous bonsoir. Ai vu sur scène pour Madame Sans Gêne. Je ne vous ai pas encore vu pour Madame Sans Chaîne, qui est un spectacle beaucoup plus personnel. Oui, vous parlez... rien à voir. Rien à voir. Vous parlez à qui pendant le spectacle? Un grand monstre métisse. Ah oui, et qu'est-ce que vous lui dites à cet homme? Je lui dis, en fait, le grand monstre métis, c'est le public, parce que je le parle comme si c'était un seul homme. Et je lui dis que je voudrais qu'on fasse plus ample connaissance, donc je lui raconte après un peu ma vie. Mais très décalé, si vous voulez, c'est accentué dans plus de choses comme ça, où j'essaie de... je pense rigoler. Prout, non, je rigole. Donc voilà, une espèce de chose... Madame Sans Chaîne. Décalée, quoi, voilà. Comme ça, où je raconte plein de trucs, les conventions, de tout ce qu'on attend de nous quand on est une femme, quand on est une actrice, tous ces trucs m'ont fait chier pendant des années, et que là, je donne à vue voilà, au grand public. Voilà. Très bien. Et c'est pas drôle du tout. Hein. Non, mais il faut... Mais c'est important c'est de présenter là où vous en êtes. Ça dure 5 heures, c'est un chiant. Mais c'est intéressant, c'est expérimental. On a le temps, on a le temps. Thomas Sisley est avec nous également, vous faites partie de la génération montante des nouveaux comiques. Bonsoir Thomas.
Vous nous expliquerez comment vous avez compris que le rire était une bonne arme de séduction, notamment pour les filles. Vous faites du stand-up. Ellie en fait un petit peu maintenant dans son spectacle. Un peu, ouais. Qu'est-ce que le stand-up? Le stand-up, c'est une attitude à avoir sur scène qui consiste à ne pas réciter un texte, en fait, mais donner l'impression au public qu'ils sont en train de passer une soirée avec vous et que c'est une soirée en tête-à-tête, quoi. Par exemple, comment vous faites vos premières phrases pour prendre contact avec le public? Ben, je pense que vous avez gardé une vanne de la première phrase. Je pense que vous allez le voir tout à l'heure. On verra ça plus tard, d'accord, très bien. Stéphane Rousseau est avec nous également. Bonsoir Stéphane, vous êtes un comique à multiples facettes. Alors sur scène, vous chantez, vous dansez. On vous a d'ailleurs découvert dans la comédie musicale Chicago. Et puis vous êtes québécois. Ben oui, hein, c'est ce qu'on m'a dit. C'est la différence de tous ceux qui sont à côté de vous. Est-ce que le rire est universel? Est-ce que vous faites rire en France avec les mêmes choses qu'au Québec? Ah oui, complètement. Le public partout dans le monde est pareil, sauf qu'il faut être compris. Hein. C'est vraiment le but de l'exercice. Mais l'humour, on rit des mêmes travers, on rit des mêmes trucs. Vous êtes très chic. Vous trouvez les comiques français pas très chics, justement, au contraire de vous. Ah, vous êtes le seul à porter une cravate ce soir. Oui. Non, il s'est réveillé à un quart d'heure. Non, pas du tout. Mais non, mais c'est de la petite fringue de quotidien, quoi. Voilà. On peut être comique et chic? Ben, je pense que oui, mais j'ai toujours voulu faire ça sur scène. Moi, j'ai toujours voulu qu'esthétiquement, ça soit joli, puis qu'on amène que l'humour pouvait être à la mode, en fait. Très bien. Il y aura également François-Xavier Demaison qui sera avec nous, qui s'est lancé dans une carrière comique. Alors lui aussi avait une carrière donc, qui faisait la fierté de ses parents, puisqu'il était fiscaliste à Wall Street. Et puis après les événements de 2001, il s'est lancé dans un spectacle comique pour essayer de vaincre la dépression. Bonsoir aussi à la bande du 6-9, Manos, Flo et Bruno, qui réveillent chaque matin 4 millions de Français sur Énergie. Bonsoir. Et puis bonsoir aussi à Sophie Ford. Vous êtes où, Sophie? Je suis là. Ah, vous êtes là, vous avez plus de lunettes, d'accord. Qui est enceinte, c'est le troisième, félicitations Sophie. Merci, c'est que le deuxième, enfin l'autre c'est pas moi qui l'ai fait mais il... Ah, il est... d'accord, mais vous l'élevez quand même. Il est là quand même. Très bien, vous nous direz pourquoi vous en avez eu assez de faire rire, vous nous raconterez ça dans cette émission. Pour illustrer cette émission également, beaucoup d'images, je vous en laisse découvrir le menu. Être drôle, c'est... On regarde vous ou on regarde la caméra? La caméra. Comment ça se passe avec les fans? Bah, j'essaie d'être toujours le plus disponible possible, d'être à leur écoute. J'essaie de Max. Charmant, s'il vous plaît, un autographe. It's okay. 5h59, bonjour! Bonjour! Putain, se lever le matin, enfin, à l'heure, 4 secondes, c'est bon. Le temps est venu d'aller sauver une femme de chambre. Ça va? Bonsoir, monsieur. Mon Dieu, mais quoi? Ah, mais je me disais bien, ce n'est pas Catherine Deneuve, hein, c'est que maintenant. La femme, je la respecte énormément, la femme. J'en ai respecté une ce matin, une ce midi, et vais en respecter encore une ce soir. Si tu es blonde, forte, pointée, et que tu as entre 20 et 20 ans et demi, j'entends moins. Pardon? Moi, je le sais, hein. La pouf guette. J'ai dit, là. It's okay, monsieur Charmant, it's okay. L'humour féminin, c'est subtilité, délicatesse, pas de vulgarité, jamais, jamais, jamais. Vous voyez, je réponds à votre question, j'ai de l'humour. Bravo à eux. Le témoin privilégié de ce soir... alors, est un généticien reconnu dans le monde entier, vous devez vous demander ce que vous faites là parfois, non? Depuis le début de cette émission? Ben moi, je ne me demande pas, parce que figurez-vous que je sais depuis Rabelais qu'il paraît que le rire est le propre de l'homme. Or, justement, le propre de l'homme, c'est mon sujet d'étude. Alors, ils vont peut-être m'apprendre. J'ai une autre raison d'être là, c'est que j'ai appris il y a peu de temps qu'il n'y a pas que l'homme qui rit en réalité, il y a également les rats. Ils vont me faire voir s'ils sont capables de faire rigoler les rats. Ah oui. Et Einstein disait que si les rats étaient aussi gros que nous, il faudrait partager le monde avec eux tellement ils sont intelligents. Est-ce qu'il y a un gène du rire chez l'homme? Vous êtes un grand généticien, Axel. Alors, il n'y a pas de gène du rire, mais la raison pour laquelle on rigole comme des humains et non pas comme des rats, c'est qu'on a des gènes humains et pas des gènes de rats. Ça, c'est vrai. D'accord. C'est réconfortant. Vous connaissez Axel, vous intéressez à la génétique, Ellie. Le rire peut gêner aussi. Le rire peut gêner. C'est une forme de gêne. Ça peut arriver. C'est pas si con ce que je viens de dire. C'est vrai. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Bah, de oui, refroidir une situation? Là, comme ça, ouais, ici, là. Ouais. Non, pas, non. Oui, bien sûr. Bah, le rire, ça gêne. C'est fait pour déranger, non?
Ah oui, enfin, si, je pense. En dehors du jeu de mots bidon. De, ouais, faire réagir et puis et faire réfléchir. Merci, au revoir. On va d'abord commencer avec honneur à celui qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Avec vous, vous êtes formé à l'école Sans Pitié des cabarets québécois, une école à laquelle vous avez beaucoup donné, qui vous l'a aussi beaucoup rendu en retour, le Québec, puis la France. Donc il y a eu la comédie musicale Chicago. Vous avez joué également dans Les Invasions barbares de Denis Arcand, mais votre premier métier, c'est la scène. Vous faites beaucoup de scènes. Les filles sont raides de vous, je veux dire, dans notre équipe. Je vous en félicite, vous êtes beau, vous êtes drôle, vous êtes costaud, vous êtes même énervant, c'est sans doute votre seul défaut. Merci. Anne-Céline Lettry et Sébastien Moloiseau vous ont rejoint à Lyon, donc d'abord dans votre chambre d'hôtel et ensuite dans les coulisses de votre spectacle. Voici Stéphane Rousseau, pour beaucoup de Français, c'est encore une découverte. Si vous permettez, je vais me commander un petit café, hein, parce que je ne fonctionne pas tant que j'ai pas eu mon petit café. Alors on appuie sur le bouton tasse. Et normalement, il coule juste en dessous. Sur scène comme dans la vie, Stéphane Rousseau ne rate jamais une occasion de s'amuser. J'ai une âme d'enfant. Je pense qu'il faut savoir s'émerveiller devant, devant les petites choses du quotidien. Puis ça, c'est très important. Je suis un gamin, mais en même temps, je peux être très mature, si vous voyez. Excusez-moi. J'essaie de surprendre les gens. Je vous parle, où est-ce que vous êtes? T'es parti. Moi, je vais vous surprendre. Vous allez me surprendre? Ah, ça, j'ai de discuter avec des surprises. Moi, ça m'intimide toujours. Qu'est-ce de son enfance, Stéphane a gardé, entre autres, un goût prononcé pour les déguisements. Effet garanti voilà. Quand on lui offre la panoplie complète de son héros préféré. Un costume de Spider-Man, juste pour moi. Je reviens, je suis nu là-dessous. Je reviens tout de suite. Pauvre Spider-Man! Quand même, hein? ils font des costumes de qualité en France, hein? Ça, n'ayons pas peur des mots. C'est pareil comme dans le film. C'est à s'y méprendre. Regardez, c'est plus ample, c'est le nouveau modèle, c'est Spider-Man 4 qui va sortir bientôt. Ça donne du mouvement, ça donne de la grâce. Le temps est venu de les sauver. Une femme de chambre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? Oui, ça va, et vous? Ben oui, c'est Spider-Man, vous m'avez reconnu? Ben oui, vous êtes trop beau. Je suis ici pour vous sauver. C'est vrai. Votre nom? Mariem. Mariem, si vous avez besoin de moi, je suis ici, dans la 429. Enchanté, monsieur. Et vous, c'est comment? Spider-Man. Oui, Spider-Man. Spider-Man. Je viendrai vous voir. Merci, ma chérie. Pendant que Spider-Man sauve la planète, Stéphane Rousseau entretient sans relâche son corps de comique séducteur. En vieillissant, on découvre des poils où on ne savait pas qu'on en avait. C'est pour ça qu'il existe des petits gadgets comme celui-ci. Ah! C'est toujours un peu choquant. J'aime pas ça du tout, ce truc-là. Je suis un peu séducteur. Ben, on aime charmer, on fait ce métier-là pour charmer. Parce que souvent, l'humour, on avait tendance à se moquer physiquement de ce qu'on pouvait avoir l'air. Il fallait être gros, il fallait être moche, il fallait être mal fringué, pis tout ça. Et puis jeune, moi, je me suis dit, non, on peut être, je pense, à la mode, puis créer quelque chose d'esthétiquement joli sur scène, puis être drôle. Mais ça rend la tâche un peu plus difficile. Ah! Ah! J'ai amené des petites chaussures. C'est pas de la vraie fourrure, attention, hein? Non. Moi, je suis un humoriste bio. Je suis un humoriste équitable. D'ailleurs, tous mes vieux gags, je les jette pas à la poubelle. Non, je les recycle. Et je les donne à Franck Dubosc. C'est une joke, Franck. L'humoriste est toujours prêt pour le gag éventuel. Vous avez eu peur, je sais. N'ayez crainte, je suis un professionnel. N'essayez pas ça à la maison. L'humoriste est propre. Non, mais il faut savoir faire tous les métiers quand on est humoriste, hein, parce que c'est pas un métier facile. Et avant de gagner bien sa vie, ben, il faut faire autre chose. C'est bon, j'ai terminé. J'ai à peu près tout fait. J'ai vendu des chaussures dans un magasin de chaussures. J'ai travaillé dans un salon de bronzage. J'étais beau, j'avais toujours la pêche. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé des bateaux. Ouais. L'été, je lavais des bateaux, puis c'était génial pour draguer les filles, parce qu'on faisait semblant que c'était un nouveau bateau. Puis sinon, j'ai travaillé à la chaîne. On faisait des boîtes de conserve. C'est à 13 ans que Stéphane est monté sur les planches pour la première fois.
Une vocation que sa mère a toujours encouragée, c'est elle qui l'a poussée vers le chemin de la scène. Elle a tracé ma voie parce qu'elle me trouvait vraiment drôle. Puis elle me disait toujours, tu vas être le prochain Olivier Guimond. Olivier Guimond, c'est un peu votre Coluche. Puis alors quand elle est décédée, moi j'avais 12 ans, puis je me suis jamais posé de question de qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Je le savais, ma mère me l'avait dit, alors c'était aussi simple que ça. J'avais tout simplement à suivre la voie qu'elle m'avait tracée. Et puis c'est vrai, je me suis jamais posé de questions. Accompagné de sa fiancée et de son régisseur, Stéphane s'accorde une séance de shopping incognito. Enfin, presque. C'est lui, hein, c'est pas moi. C'est sa mort, hein? Ah oui, attention, Oui. Mais là, il faut que vous me disiez mon nom, si vous voulez un autographe. Stéphane Rousseau. Ah, vous savez. Voilà. Et je votre vous adore. Nom, c'est vous, Anna. Anna. Je vous adore. À chaque fois que je vous vois à la télé, je suis morte de rire. Ah, ben merci beaucoup. Alors, sincèrement, je fais ce métier-là pour me faire aimer. Ben oui, c'est la seule bonne raison de faire ce métier-là. Petit détour touristique à l'amphithéâtre à Lyon. Stéphane ne résiste pas longtemps à l'appel de la scène. Wow. Vous me permettez? Je sais pas s'il y a des humoristes qui ont déjà joué ici à l'époque. Tu te faisais bouffer par un lion si t'étais pas drôle. Un lion? À Lyon? Poets often use many words to say a simple thing. But music and words I've been playing. For you I have written a song to be sure that you know what I'm saying. Je disais que ça doit être pas mal de jouer ici. Pardon. T'entends très bien. Oui, hein? Moi, je m'amuse comme un fou. Mais jamais avant de monter sur scène. C'est-à-dire, j'anticipe toujours. J'ai rarement... J'ai toujours un peu peur de monter sur scène. Mais une fois que j'y suis, par contre, là, je suis là pour gagner. Là. Tu veux absolument être à ton meilleur. Puis on monte avec la pêche, comme vous dites, des Français. Nous sommes à 2 heures du spectacle, avant de se produire à Paris. Stéphane va ce soir jouer dans une petite salle devant 140 personnes. Le trac monte. J'ai entendu un applaudissement. L'applaudissement est de la nourriture, les artistes. Aïe, 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 je veux tout me défaire. Et je prends comme les grandières. Je suis gauche et les manières, les grandières. Aïe, aïe, aïe. Olé! Muy bonita, señorita, Me llamo Rico, chico. La femme, je la respecte énormément, la femme. J'en ai respecté une ce matin, une ce midi, et vais en respecter encore une ce soir. Muy bonita, señorita, eh! 50% des femmes sont insatisfaites sexuellement. Ce que voulez-vous, il ne peut pas être partout. Les hommes me demandent comment il fait. Rico, comment fais-tu? Je vais vous le dire. Comme le chasseur appelle l'orignal, Rico appelle la femme. Femme! Femme! Ah, génial, super. Ouais. Il a bien chanté, il est beau, enfin... Qu'est-ce qui vous plaît chez Stéphane Rousseau? Son humour et son physique. Son physique et son humour? Dans les deux sens, ça marche. D'accord, ok. Je suis le bout ici. Ah! 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 Un petit chocolat! Mon Dieu, c'est choquant. C'est pas marché. Moi, je m'inspire de ma vie pour écrire. Quand je vois que ça touche les autres gens puis qu'ils rient des mêmes choses que moi, ben, ça prouve que je me suis pas trompé. Puis c'est un sentiment tellement agréable. C'est un son qui est communicateur. Alors moi aussi, si j'entends, comme ce soir, 7000 personnes rigoler, ben, c'est certain que je peux pas faire autrement que me laisser emporter par cette vague de bonheur. Stéphane Rousseau. Pareil pour Paris maintenant, vous serez à Paris, donc au Bataclan à partir du 17 janvier. Comment l'homme araignée est entré dans votre vie?
Ah, ça, c'est une longue histoire, mais j'ai toujours aimé Spider-Man, comme vous dites. On dit Spider-Man chez nous, mais c'est le même gars. Hein. tout petit, j'adorais ces aventures-là. Et puis, à 30 ans, j'ai toujours rêvé d'avoir le costume de Spider-Man. Et puis, à 30 ans, mon ex-manager me l'avait offert en cadeau. Pour vos 30 ans? Pour mes 30 ans. C'est un beau cadeau, ça. C'est un beau cadeau. Oui. Mais il était identique à celui qu'on retrouve dans le film. Vraiment, une belle confection. Et puis, je l'ai toujours dans ma table de chevet, dernier tiroir en bas. À la maison? Oui, à la maison, à côté de mon lit. Et des fois, j'ouvre le tiroir juste pour regarder le costume. Oui. Et je me dis, si jamais le monde avait besoin de moi, je serais prêt. D'accord. Et votre femme vous suit dans vos délires de grand enfant ou c'est juste pour faire le grand enfant, pour séduire les femmes ou vous êtes resté un grand enfant? Ah, je suis... Vous, c'est comment, par exemple? Ben, chez nous, c'est vrai que j'ai mon côté enfant est très présent. Entre autres, j'ai une porte où je mets mes céréales, mes petits armoires. Mais quand je tasse les céréales, je peux passer. Il y a un passage secret pour aller dans le garage, embarquer dans ma bagnole, et puis je peux filer comme ça. D'accord. Et puis dans ma chambre aussi, si j'ouvre le garde-robe, il y a un tuyau de pompier qui descend deux étages jusque dans la cave. Et puis j'ai déjà eu une bibliothèque. Ça va très bien. Il n'arrête jamais. Bibliothèque qui se tasse. Alors c'est pour amuser les potes, en fait. J'ai toujours aimé les passages secrets. Alors quand j'ai des amis qui viennent à la maison, éventuellement je disparais derrière une porte secrète. Et puis là, Stéphane. Et là revient Rico. Et là revient. Non, quand même pas. Je me costume pas à la maison. Mais... Rico, Rico, votre femme apprécie? Oui, ben ça, c'est un personnage rempli de testostérone. Moi, j'ai écrit ce personnage-là. J'étais au Mexique et puis je regardais des mecs qui draguaient ma copine. Ils peuvent draguer même si on est là à côté. Hein, ces espèces de latine lovers. Et puis, les femmes les aiment bien, mais ils sont ridicules. Non, mais sur la plage... Ça, on est parti au Mexique. Sur la plage, je voyais draguer une fille. Ça fonctionne pas. On passe à la fille de côté. Ça fonctionne pas. Puis ça finit par marcher, oui. Éventuellement. Mais très tôt, vous avez essayé les costumes de testostérone. Enfin, Laurent Houtan, Ah, ben ça, moi, j'espérais avoir un... Mon rêve, c'était d'avoir un costume de gorille quand j'étais petit. Et puis, Petit, c'est quel âge pour vous? C'est 27, 28 ans, c'est... Oui. Non, j'avais peut-être 8 ans. Ouais. Puis mon père, effectivement, m'amenait toujours dans un magasin de costumes que j'aimais beaucoup, quand j'étais gentil, quand j'avais des bonnes notes à l'école, ce qui était assez rare. Mais quand même, la première fois, il m'avait offert le masque. Et puis le Noël, ensuite, il m'avait offert les gants. Et puis, mon anniversaire, les pieds. Et là, j'attendais le reste du costume. Je l'ai eu 2 ans plus tard. Et puis, quand j'ai ouvert la boîte, à ma grande déception, il était brun. Au lieu d'être noir, il était brun. Alors, j'avais la moitié qui était pratiquement orange. Et les pattes noires et j'avais l'air d'un mélange d'orang-outan et de gorille. J'étais un peu déçu. Vous avez commencé sur scène à l'âge de 13 ans, dans des petits cabarets, ouais. Où vous croisiez des stripteaseuses. Mm-hmm. Votre père vous laissait faire ça après l'école? Oui, ben c'est pour ça qu'il me laissait faire ça. D'ailleurs, il m'accompagnait à l'occasion. Non, mais j'ai eu cette chance de jouer avec l'humoriste que j'accompagnais. C'est un peu l'équivalent de Bigard à l'époque. Ouais. C'est un monsieur qui en avait dedans, puis il portait toujours le smoking bleu ciel. Je me souviendrai toujours. Et je faisais sa première partie. Des fois, on jouait 15 fois par semaine. Alors, à 13 ans, faire 15... Mais qu'est-ce que vous jouiez à 13 ans sur scène? Moi, je faisais des imitations. Je faisais un monologue que je joue des fois encore sur scène, un monologue d'un monsieur qui s'appelle Yvon Deschamps, qui s'appelle « J'ai enfin connu les joies de la paternité ». J'avais 13 ans, puis je racontais ça, et puis ça faisait rigoler pas mal. C'est votre maman, en fait, qui, dans les derniers souffles de sa vie, a choisi votre vocation pour vous. Ouais. Comment elle vous a dit ça? Bien, ma mère, elle me trouvait vraiment rigolo. Puis elle était très malade, elle était en phase terminale pendant 5 ans de sa vie. Et puis, mon père m'encourageait à déconner, à faire de l'humour pour alléger un peu cette atmosphère qui était... Puis moi, je me rendais pas compte de la gravité de la situation. Ma sœur plus, parce qu'elle était mon aînée, mais je m'amusais à déconner à la maison. Puis mon père m'encourageait là-dedans, parce qu'évidemment, il savait que ma mère, ça lui faisait tellement de bien. Puis elle est décédée, j'avais 12 ans. Bien, oui. Ma voix était tracée et je pouvais pas faire autrement que devenir humoriste. Ma mère me l'avait dit. Vous connaissez cet aspect de la vie de Stéphane, Élie? Non, pas du tout. Mm. Non. Mais je sais qu'il y a de la profondeur dans ça, dans ce qui te concerne, quoi. T'as vécu des choses. Vous aussi, vous avez commencé tôt à essayer de faire rigoler avec des choses ça qui étaient assez tristes. Oui, pas l'accent comme Stéphane, tout d'un coup. On s'était habitués. En fait, on est dans une émission québécoise. Tout le monde parle. Avec moi, je suis un peu comme Stéphane. Et je considère que, bon, c'est pas... C'est pas drôle, comme drôle. Un spécial cabane à sucre. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais vous avez connu des moments durs aussi dans votre vie très jeune. J'ai perdu ma mère. Je sais pas si c'était peut-être la même, non? Non, je pense que pas.
J'avais 11 ans. Faut y aller, c'est la fin de l'année. Hein. Donc, l'humour, c'est lié au drame aussi. Hein. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Ce mélange-là, on le sait tous. Les humoristes, c'est un mélange de gens tristes au fond et puis de gens qui ont envie de faire rire tout le monde. C'est très énervant de se voir en... Ah oui. Ah, c'est horrible, c'est atroce. Regardez-moi, ouais, moi. Ouais, d'accord. Ouais. Vous avez perdu votre maman à quel âge? Vous, à 12 ans? À 11 ans. À 11 ans. Ouais, ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à être drôle? Oui, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, tous ceux qui ont vécu les mêmes choses que nous le savent. C'est un choc, c'est pas naturel, hein, a priori, de perdre sa mère à 11 ans. C'est pas dans l'ordre des choses. Hein. C'est pas dans l'ordre des choses. Donc forcément, ça fait un dans la vie, ça change tout, quoi. Ça choquait un peu parfois dans la famille que vous preniez ça, que vous essayiez de désamorcer la situation avec le rire? Non, parce qu'ils me connaissaient et puis ils savaient que j'étais déjà un petit rigolo. Et quand ma mère est morte, je suis devenu encore plus drôle. Même à l'école, ça n'a pas surpris. Non. Non, mais c'était une façon pour moi de m'en sortir. Chacun trouve sa façon. On a tous des façons de s'en sortir, et puis voilà, ça, c'était la mienne, faire rire les autres. Est-ce que c'est une façon de transformer quelque chose de positif de vos blessures d'enfance? Ça s'appelle une forme de résilience, vous connaissez ça, non? La résilience. C'est beau comme Michel. Mot, résilience, ouais. Résilience, c'est intelligent tout d'un coup. De Boris Cyrulnik, en fait, c'est réussir à transformer quelque chose de profondément négatif en quelque chose de très positif, comme ça. Je pense qu'on n'est pas tous partis d'un drame aussi épouvantable pour en arriver à être drôle. Hein. Je veux dire, c'est aussi parce qu'on a des exemples autour de nous. Moi, j'avais un papa, donc j'avais un gros exemple. Et moi, je pense que j'ai passé mon temps à essayer de l'épater parce qu'il était certainement beaucoup plus drôle que moi. Mais non, être plus drôle que... Enfin, plus drôle, non. Mais en tout cas, le faire rire, ça, c'est un boulot de chien. Hein. Oui, ça doit être une bonne motivation aussi. Ouais, ouais. Pierre, vous avez connu aussi des moments pas rigolos quand vous étiez petit? Pareil, c'est rigolo. Hein. Enfin, non, ça l'est pas, mais... Ouais. J'ai perdu mon père, qui était peut-être la mère, en fait, d'Élie Semoule aussi. Vous avez quel âge? Sur Van. Tu vois, Van... Peut-être Van. De trop, non? De trop, je pense, celle-là de trop. Vous avez quel âge? J'avais 5 ans, moi. Mais j'ai l'impression d'avoir été un peu petit pour que ça m'ait affecté, que ça m'ait donné, justement, cette impulsion. Après, comme dit Michel Bernier, je pense que parfois, on trouve ça... Enfin, moi, en plus, déjà, je suis pas un humoriste, quoi. Je suis pas mon métier. Ouais. Après, voilà, on déclenche une bonne humeur, on a envie. C'est vrai que j'ai tout le temps envie que tout se passe bien, que les gens rigolent. Et voilà, c'est plus dans l'humeur. C'est quelque chose que j'ai développé parce que, oui, parce que pour combler peut-être quelque chose que j'avais pas. Pour vous avez jamais affronté un vrai public encore? Pour rigoler, enfin, juste pour l'objet d'un reportage, quoi. Je monte sur scène, mais sans prendre le vrai risque. Et c'est pour ça que je respecte infiniment les gens qui le font, et même ceux qui sont pas drôles, quoi. Mmh. Parce que je sais ce que c'est que... Non, mais c'est vrai. C'est sans doute ce qui est le plus difficile. Moi, je suis monté seul sur scène, j'ai une admiration pour vous, pour ça. Non, mais c'est incroyable. Moi, je suis monté, il y a pas longtemps, pour un reportage sur la scène du Trévise, où il y avait quoi, je sais pas, 200 personnes, et c'était une scène ouverte. Et j'ai dit, allez, je vais y aller, juste. Mais moi, j'y étais, j'ai prévenu les gens, attendez, je vais sortir une vanne, et vous allez rire. Demandé à l'avance. Oui. Et là, on a dit, on tourne. Oui. J'ai sorti ma vanne, ils ont rigolé. C'était très bon, je crois. C'est un zéro qui rencontre un 8 et qui lui dit, tiens, t'as acheté une ceinture. Donc, un truc, voilà, un truc, je pense qu'il peut marcher, qui pouvait marcher. Et voilà, ce petit cadeau, Élie. Quand je disais que l'idée était plus cérébrale que Cannes. Hein. Le 8, quand il est serré à la table. Voilà. Pardon pour lui. Non, c'est pour ça que j'ai. Les anneaux. J'ai prévenu parce qu'il y a un niveau. Mais c'est un stress énorme. Je comprends pas comment on peut décider un jour d'aller. Vous êtes déjà monté sur scène, Anne? Non, pas encore. Je vais le faire. Ça vous fait quoi? Peur, mais en même temps, ça part, je pense, oui, d'un besoin de reconnaissance. Enfin, c'est le cas pour à peu près tout le monde. Surtout faire rire, c'est un peu particulier. Moi, c'était plus une défense, je crois, quand j'ai compris que j'étais pas super populaire dans mon école petite. Et tout, quand j'ai compris que ça pouvait être une façon de répondre aux gens et de les faire taire et de se faire respecter comme ça. C'est ça dont je me suis emparée, en fait. La première fois que vous avez affronté un vrai public. La première fois que vous avez affronté un vrai public, comment vous vous êtes senti? Bah, vous êtes assez anxieux. Hein. Anxieux, mal, on a joué mal au ventre. Enfin, je passe les détails, hein, parce que c'est aller plus loin que ça. Très mal. Mais passer le cap, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais passer le cap de la première minute sur scène, après, c'est fini. Quoi. Oui. Il peut vous arriver n'importe quoi, vous pouvez être malade. Vous ne lâcherez pas. Non, voilà. Vous avez une sorte de poussée d'adrénaline qui vous rend dingue. Quoi. D'être deux, c'est mieux, évidemment, penser à Élie dans ce cas, dans ce cas-là. Oui, c'est mieux. Oui. On est plus fort, on affronte plus facilement les difficultés de ce métier, les gens qui font ce métier. Et puis moi, voilà. À l'époque des Rolling Stones, puisque j'ai remplacé le batteur. On était quatre, donc c'est papa. Non, non.
Non, mais... vous allez monter sur scène, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à la télévision, par rapport au cinéma? Qu'est-ce que c'est comme sentiment? Je vais peut-être employer un mot qui n'existe pas dans la langue française. Non. J'ai le droit ou pas? Vas-y, vas-y. Une immédiateté. Quelque chose de soudain. Par exemple, on veut faire un truc, on le fait. Oui. Voilà. Non, parce que la télé... J'ai pas terminé. Ta gueule. La télévision... Conardo. Bon, la TNT, tout ça, on connaît. La télévision, le cinéma, c'est beaucoup de travail en amont. C'est vrai, c'est un mot qui existe, amont. Hein. Marcel amont. Ouais. Alors que la télévision en Daniel Duval, Aval... Non, arrête, qu'est-ce que tu me racontes? Non, alors que la scène, finalement, ça... En fait, non, c'est quand même du travail en amont, en fait. Ouais. Non, il y a une vraie liberté qu'on aime pas. Ce que je dis n'a aucun intérêt, finalement. Non. Non, mais c'est toujours compliqué d'expliquer. Quand vous avez retrouvé Dieudo, c'était... Je n'ai pas fini, Jean-Luc. Pardon. Quand vous avez retrouvé Dieudo, à un moment, je vous ai vu à la télévision, quelqu'un avait eu la bonne idée de vous mettre face à Dieudo. Et Thierry Ardisson. C'était Thierry, alors, ouais. Ah ouais, alors, je m'en souviens, putain. Vous avez cru à nouveau? Non, sincèrement, non. Je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir. J'étais content de le retrouver sur scène. Mais bizarrement, on a fait un vieux sketch qui était Cohen et Bokassa, hein, le petit juif et le gros noir. Moi faisant le gros noir, lui faisant le petit... Non, c'est impossible. Impossible. Et donc... oui, ça m'a fait plaisir de retrouver ça, mais je savais que c'était pour de faux, quoi. Enfin, pour de faux. On l'a fait avec sincérité. Quoi, c'est comme un couple, ça pouvait pas reprendre. Non, mais j'en suis désolé, parce que... Enfin, bon, on va peut-être pas aborder le cas de Dieudonné. Non, mais combien de temps vous êtes restés ensemble sur scène, tous les deux? On est restés, je sais pas, 8 ans, je crois, ouais, quelque chose comme ça, c'était pas mal. Et vous avez démarré ensemble. On était copains avant, on a démarré ensemble, donc... et comme le disent nos amis, c'est vrai qu'on est plus fort à deux sur scène, hein, ça c'est clair. Et même avant, j'imagine, pour surmonter le moral, il y a des moments oui, de profonde angoisse. Par contre, le trac est multiplié par deux. Ah bon? Quand on a peur. Ouais. Genre, t'as peur, toi? Ouais, moi aussi. Oui, s'il y en a un qui va bien, si les deux vont bien, ça va, mais si les deux ont le trac, c'est une explosion. Tu vas me soutenir? Non. Ouais. Stéphane, vous avez ressenti quoi avec votre premier public sur scène? Ah, moi, aussi, c'était très, ans, très difficile. Mais à l'époque, on a beaucoup de naïveté à 13 ans, donc on arrive là tellement sûr de soi. Bon, je me suis aperçu qu'il y avait le public réagissait très bien déjà parce qu'il y avait cette espèce... Ça n'avait pas de bon sens de voir un petit garçon de 13 ans dans un bar de danseuse. Parler de sa vie sexuelle, oui. Alors, c'était complètement ridicule. Alors, ils étaient derrière moi, ils m'encourageaient, ils me trouvaient drôle, plus drôle que les adultes en général, parce que j'empruntais ici et là des textes à des adultes, finalement. Le public français, vous en pensez quoi, vous, par rapport au public québécois, globalement? Quelles sont les différences de perception, d'humour? Il y a des petites différences, mais rien de marquant, parce que les gens rient absolument au même gag, sauf qu'il y a des petites différences. Les gens ici, à la fin des spectacles, souvent vont taper des pieds par terre. On ne fait pas ça chez nous. On tape des pieds chez nous. On tape des pieds chez vous, Allez. On fait les mains. Non, ça se ressemble, mais les gens sont très attentifs ici. Il y a une différence, je pense, entre les humoristes québécois et les humoristes français. Par contre, elle est de moins en moins grande, mais chez nous, on était très à l'américaine avant, très rythmée. Ici, il y avait plus de fond, il y avait plus de profondeur dans les textes. Et puis, ces dernières années, je crois que ça se rejoint. Les Français s'inspirent un peu du rythme. C'est très évident. Moi, qui étais à Montréal... L'année dernière, enfin non, cette année. Donc, tu as connu l'expérience inverse? Oui, parce que quand j'arrive avec un sketch qui s'appelle Kevina, évidemment. J'adore Kevina. Alors, c'est un boulevard hein, pour moi. Kevina, quand je commence qui est une petite jeune fille. Comme ça. Et là-bas, c'est pas pareil, parce qu'ils ne connaissent pas. Bonsoir, c'est Kevina. Qu'est-ce que c'est bien, cette Kevina, là? C'est quoi? Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il y a quand même. Il n'y a pas de petite Kevina au Québec. C'est courageux de ta part. D'affronter un public, il faut s'adapter. Sur les références culturelles. Il ne faut pas non plus trop renier ses origines. Non, je veux dire, faut pas trop parce adapter. Que c'est ce qu'on aime aussi chez toi. C'est cette différence. Merci. Surtout qu'il va loin, lui. Il va même au Mexique pour s'inspirer, tu as vu ça, avec Rico. Alors Pierre, vous nous avez dit que faire rire, ça permet de se faire des amis, des jolies filles et de trouver du boulot. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça fonctionne? Dans l'ordre? Alors dans l'ordre, pour commencer quand vous étiez petit d'abord. Quand j'étais petit, ça permet de... D'abord de faire rire, ensuite de draguer les filles. Ça permet de, de faire avec, de se faire remarquer quand on n'a pas le physique de Thomas Sisley, quoi, par exemple.
Donc, on est au milieu d'un groupe, quoi, on sait, au lycée. C'est pas de la drague, hein. Oui. Mais parce que... Comme vous êtes dit tôt, je ne suis pas assez beau, il va falloir que je fasse rire. Non, pas, il va falloir, mais j'étais dans un groupe où il y avait un peu un intello, un super beau gosse sportif carré comme ça, et moi, au milieu, un différent, quoi, on va dire. Et donc, voilà, donc après, on trouve une place... Et c'est vrai que ouais, j'avais manié un petit peu la blagounette, quoi, voilà. Et donc, comment voilà, ils le prenaient, les petits garçons? Vous êtes pris des bourre-pifs? Alors oui. Alors après, ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est ce qui se passe, parce que la frontière entre essayer de faire rire et faire le malin est très étroite pour les gens qui l'observent. Alors que moi, je voulais juste voilà, un petit peu attirer l'attention, mais pas gêner, quoi, justement. Moi, c'est le truc... Et parfois, vous gêniez, quand même. Et parfois, effectivement, et puis je le vois, j'ai une tête de petit con, quoi. On voit le mec, il ouvre sa gueule, et il y a toujours quelque chose à dire. Donc, il y avait plein de mecs qui voulaient me détruire, quoi. Je me souviens de courir dans le lycée, de se sortir par des portes dérobées, tout ça. Une année de troisième terrible, tu sais que j'en ai chié. Et votre mère, comment vous faisiez pour la stopper? Alors ma mère, non, il y a un truc, il y a eu un truc et qui a bien marché, donc je l'ai reproduit. C'est une anecdote très très bonne. je préviens à l'avance, qui est très mauvais d'ailleurs. Non, c'était l'époque années 80, la cage aux folles, tout ça. Et il y avait donc cette scène, je regardais en boucle ce film. Et il y avait cette scène où Bimbin et Renato donc s'engueulent et puis il y a Bimbin qui sort, il dit bah, vas-y, frappe-moi. Ben, frappe-moi. Et puis il sort avec un cocard. Et un jour, effectivement, ma mère était très énervée contre moi. Elle était à deux doigts que ça parte, quoi, la première. Et je lui ai fait, ben, vas-y, frappe-moi. Ben, frappe-moi. Et je le faisais très bien à l'époque. Parce que j'avais pas mué. Comme ça, j'avais pas cette voix virée. Et donc, je me souviens qu'elle a éclaté de rire. Et là, ça a été, mais effectivement, il y a eu un truc, quoi. Je me suis dit, ah, mais en fait, ça permet tout, quoi. Et je suis toujours passé au travers en désamorçant les situations. Parce que je déteste ça, de toute manière. Le conflit, les tensions, les machins, que ce soit au boulot, que ce soit partout, c'est insupportable. Vous travaillez pour Comédie aujourd'hui, vous arrivez à désamorcer aussi les colères des producteurs. Il y a des grosses tensions à Comédie, quoi, comme on le sait. Non, justement, je vais vers les choses comme ça parce que. Parce qu'il n'y a pas ce sérieux, il n'y a pas tout ça. Donc, à Comédie, ouais, comme dans le travail, comme partout. C'est quoi vos vannes de réserve pour désamorcer un conflit ou une situation de tension? J'ai pas le répertoire de trucs. Parce qu'une vanne, ça marche quand quelqu'un en réaction à quelque chose. Mais c'est vrai que souvent, ce que je fais, c'est que je caricature ce qui se passe. Quand une situation devient, genre, extrêmement tendue, oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On connaît très bien le oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, moi, j'en rajoute. D'ailleurs, j'utilise souvent Elie Semoun. Non, pas du tout. Dans un sketch que tu as fait qui est La Pêche, très très bon, où justement il y a un gros monceuse, il dit quoi, à peine on commence l'histoire, quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te fais, ouais. Voilà, si tu pouvais le faire pour m'aider un petit peu, peut-être. C'est un voilà, j'ai un moment très pénible. Et donc, quand quelqu'un sort un truc qui vraiment n'a pas de raison de s'énerver, enfin, il n'y a pas de raison de s'énerver, je fais quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc merci, laissez-moi le sketch. Ça sert pas mal. Je caricature ce qui se passe et les gens d'un coup ils se désamorcent. Ça s'appelle les 10 coms, la quotidienne que vous animez tous les soirs sur Comédie avec pas moins de 97 chroniqueurs. 97, une centaine. Extrait. Bienvenue dans les 10 coms. Yeah, Mathieu. Ouais, de quoi on parle maintenant? C'est chaud, hein? C'est un râle. Qu'est-ce que c'est que ce physique? Ouais. Et qui rend fou les femmes, les labradors. Et ça, c'est bien. C'est rare, c'est unique, c'est quasiment américain. C'était même pas inscrit dans les fiches. Ouais. Je te jure, ça venait de là, ça venait de mon petit cœur comme ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes, la musique? Ouh. Ouais, mais là. Vous m'entendez, Pierre-Mathieu? Oui, je t'entends. C'est drôle, hein? C'est super bien. C'est marrant. Je rigole pour rien. Ben ouais, 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 parce que tu me fais marrer. C'est ta gueule. C'est si là, tu veux, d'accord. C'est ta gueule. Voilà. Alors, je vois bien, je vois très bien où tu vas en venir. T'as voulu faire monter l'audimat et je peux le comprendre en choisissant cette scène dénudée parce que ce corps fait pour l'amour mérite d'être montré. Et ça marche toujours avec les filles, Pierre, ou est-ce qu'il y a un moment où vous ne savez pas vous arrêter? Non, alors, ouais, ça marche. Il faut savoir que ça marche avec les filles. Ça marche pour le début, pour attirer l'attention. Et par contre, ça marche pas pour les garder. Ça, c'est faux. Ah on bon? Peut pas se lever le matin, prendre une chaussette. C'est pas possible. Hein. Au bout d'un moment, elle est saoulée. Non, c'est vrai. Ça dépend de la chaussette. Ouais, ça dépend de la chaussette. Mais au bout d'un moment, elle est saoulée. Donc, il faut autre chose. Pour... Ouais. Ça marche toujours. Moi, parce que. Du jour, de la veille, ça va pas le faire. Ouais. Peut-être comme ça. Je peux pas parler trop près. Ouais. Non, mais voilà, après, c'est. Et puis, il y a un moment aussi où il y a un peu plus de tendresse, un peu plus de tension dans la relation amoureuse. Et vous arrivez à rester sérieux? Je ne suis que ça. Je ne suis que tendresse, que fragilité. n'est-ce pas? Est-ce que trop d'humour peut tuer l'amour? Ouais, je pense, ouais.
Et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'effectivement, un mec, il, je dirais, moi, enfin, je, qui serait tous les jours, une vanne à la minute, tout ça à la maison, je pense qu'à force, ça devient insupportable. Il y a un moment, il faut se poser. Vous arrivez à vous calmer, vous, parce que moi, je vous ai rarement vu calme. Dans la sexualité, par exemple, il y a un moment, il faut arrêter, quoi, tu vois. Bon. J'arrive à me calmer très bien, très bien. J'y arrive, je sais pas. Je sais pas, je te connais pas dans la vie. Non, tu sais. Je t'ai jamais vu, je ne sais pas qui est cette personne. On était... À quoi, à deux doigts de ça. On était à ça, il a failli, il y a eu un failli. Parce que cette personne a essayé de me pécho en soirée, il faut dire ce qu'il y a. Et elle a failli réussir parce qu'elle a cet humour, effectivement. Et ça peut marcher, je disais, dans les deux sens, une femme. Mais vous comparez, vous, Anne, l'humour à la relation entre un homme et une femme, enfin, dans l'échange qu'il y a entre, bah, entre les deux. Mais c'est important, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça peut marcher, moi, je trouve. Mais il faut savoir s'arrêter à des moments. Par exemple, la sexualité, c'est complètement incompatible. Soit on rit, soit on fait l'amour. Si on commence à rire, on arrête de faire l'amour. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui. Non, voilà, c'est ça. Ça peut être ça, on peut mal le prendre, oui. Non, puis bon, voilà. C'est, ça vous est jamais arrivé d'être énervé avec un garçon, je sais pas, et puis de vouloir désamorcer un peu la situation au moment, dans un moment un peu chaud, et justement de tout faire retomber à plat? C'est-à-dire? ça me semblait assez clair. De tout faire retomber à plat. Ça me semblait... Ok. Non, moi je fais pas vous trop de vannes dans le privé, pas tout le temps. Non, quand même. Enfin, après on est normal, hein. Enfin, il y a des moments où. Oh, c'est Valérie Lemercier qui dit on peut pas être belle et drôle en même temps. Oui, oui, parce qu'il y a un côté un peu viril dans le rire, un peu, si on s'empare voilà, de la conversation, qu'on commence à dire, bah, alors je lui dis, alors il me fait, oh, bah, dis donc, bon, bah, forcément, on n'est plus trop en situation de faire. Thomas, vous êtes un peu épanché dans votre préparation de l'émission et vous nous avez dit que la séduction par le rire, vous avez essayé, et pour vous, ça marche? Ouais, enfin moi je l'ai fait quand j'étais, j'ai commencé ça quand j'étais gamin parce que j'étais particulièrement moche. Mais ça, ça se voit pas, c'est ce que disait Pierre, vous êtes un magnifique garçon. Je vous jure que c'est vrai, j'étais vraiment, enfin voilà, je galérais avec les filles et en fait pour se faire remarquer, il fallait soit être violent, soit les faire rire. Et j'étais pas costaud non plus, donc. Vous avez bien grandi d'un coup alors aussi. Là. Voilà. Ouais. Et vous les faisiez rire avec quoi plutôt? Avec, je faisais le con, j'arrêtais pas de faire le con, mais je suis d'accord. Il faut éviter. Il faut savoir faire, se calmer. Il faut éviter de le faire dans le sexe. Et une femme qui a de l'humour, elle a plus de chance avec vous? Ça dépend. Moi, je suis pas d'accord avec Valérie Lemercier. Moi, je pense qu'on peut être belle et c'est drôle bien. Ou. Même si elle est plus drôle que vous. Il faut qu'elle sache s'arrêter à un moment donné aussi, quoi. Mais effectivement, au bout d'un moment, si elle passe son temps à me faire rire, la séduction va peut-être moins bien s'opérer au bout d'un moment. Quoi. Ça fait quoi, Clémentine, de faire rire les hommes? Généralement, ça les attire? Bah oui. Oui, ça les attire. Mais moi, je pense que je suis pas d'accord sur le fait que l'humour. Parce que l'humour, c'est s'il est vrai, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça peut être Cad. C'est Cad. J'étais sûr que c'est Cad. C'est qui? Quel banner, ce Cad. Toujours une petite vanne de côté. Il vient de l'avoir, son portable, c'est pour ça. Oui, c'était Noël. Il savait pas que ça s'éteignait. Où sont les DVD vierges? C'est ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut, non, parce que je dois envoyer un texto à ma femme qui cherche les, elle est drôle, ta les femme, DVD vierges. Parce qu'on. Enfin, bon, on sait les signes de vie. Tu fais du commerce, quoi. Oui, je fais un peu de business parce que l'humour, ça marche plus trop. Avec la vieille personne qui était à côté de moi, on est au fond. Là. Non, pardon. Excusez-moi, je suis désolé. Pardon, la parole était à Clémentine. Non, mais non, l'humour, c'est un truc, c'est vrai quand même. Enfin, l'humour, je veux dire, avec un homme qu'on aime. Moi, je suis pas d'accord. On peut très bien faire l'humour, mais à un moment donné, l'humour, en plus, a quelque chose de sensuel et de sexy, je trouve, dans l'humour. À la base, chez ce monsieur, par exemple, je trouve qu'il est, sensuel et sexy. Parce qu'il est, vrai, ce qu'il fait, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de l'humour pour de l'humour. Même chez toi, non, mais c'est un truc, c'est un état d'esprit. C'est vraiment une façon naturel. D'être, voilà. Donc après, ça peut se transformer en sexe, et même, on peut faire l'amour comme des fous, j'imagine, en faisant des blagues, et que ça reste super sexuel, à mon avis. Mais bon, je pense que... Moi, ça rend... C'est trop de l'ordre du privé pour que je puisse m'étendre là-dessus. Pour draguer, c'est bien, il y a un moment, il faut s'arrêter. Oui, probablement. Ouais. Ouais. Moi, je suis vierge, donc je peux pas. Non, oui, oui. Ben, il y a bien longtemps, il y a bien des années, on s'était vu une fois au Niels un soir, parce que tu m'avais fait rire. Donc, tu parlais à une jeune femme, évidemment pour distraire tout le monde. Tout à fait. Et dans cet unique but. Et tu lui dis à un moment, j'ai quelque chose comme. Tu sais pas ce que j'ai envie de faire. Et elle te répond, je crois que tu as envie de m'embrasser. Je fais, non, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et tu es parti. Oui, mais j'ai été aux toilettes, mais je me la suis pas faite. Il y a un spectacle, Clémentine, il y a un 11e commandement dans votre spectacle, c'est le 11e commandement qui dit « Tu ne riras pas si tu es une femme ».
parce que tu n'auras pas de rides. Oui, ça fait partie d'une espèce de caricature que je fais du mystère où la bouche doit toujours être comme ça, oui. Les yeux vers le haut, etc. Et ne pas bouger, tirer un peu, pas trop, pour que là voilà. Enfin, je ne fais pas le sketch parce que je ne suis pas très bonne vendeuse. Bref, et à un moment donné, donc, on ne peut pas trop baisser les yeux parce qu'il faut rester très mobile. Enfin, toutes les copines qui sont là connaissent le problème par cœur. Toutes les femmes, il ne faut pas trop bouger, trop. Ça fait des ridules. Quand on est petite, jeune, souvent quand on est d'être comédienne, il ne faut pas trop bouger. On nous dit souvent des trucs, vous savez, d'images comme ça, des trucs. Immobilité. Donc, chose qu'évidemment, moi, je ne suis pas et que j'ai décidé, puis je m'en fous. Donc voilà, j'ai pas de rides. Oui, parce que là, quand tu fais ça, t'as plein de rides, tu comprends. Mais bon, sauf que moi, les rides, je trouve ça beau. Ça dépend. Il y a des mauvaises rides quand on a été mauvais. Peut-être dans les rides nous révèlent. Mais donc voilà. C'est un truc contre, c'est tous ces trucs de rides, c'est tout, mais voilà. Sophie Forte, on vous écoutera plus longuement tout à l'heure, vous êtes directement concernée par la question. Sophie, vous êtes bien à votre poste d'observation là-haut? Oui, c'est pas mal, je vois tout le monde pour une fois. Est-ce que vous pensez que la féminité et l'humour ne s'accordent pas très bien, qu'à un moment il a fallu choisir? Non, je pense pas. Ça, tout dis donc, dépend. Vous dégonflez, c'est pas ce que vous avez dit en préparant l'émission? Absolument pas. Moi, j'ai jamais dit que j'avais arrêté de faire de l'humour parce que ça n'allait pas avec une certaine féminité. Pas du tout. J'ai arrêté de faire de l'humour parce que je voulais voir ailleurs. Je voulais éprouver d'autres émotions et en faire éprouver d'autres au public. Pour moi, c'est une évolution. J'ai pas fait ça parce que j'étais aigrie et je me disais, oh, non, mais en fait, je suis très jolie, c'est tellement dommage d'être laide sur scène. Pas du tout. Moi, je trouve que ça peut aller tout à fait bien ensemble. Ça dépend comment on présente les choses. Alors, on va regarder Clémentine, justement, sur scène dans un spectacle plus personnel que jamais. Ben oui, que jamais. Je l'ai écrit, c'est mon fils qui a fait la mise en scène et c'est une nouvelle aventure pour moi parce que j'ai 48 ans et je débarque dans ce monde. Yes. Et je débarque dans ce, elle les porte bien. Ce monde de, elle les porte bien. Ce monde, ouais. Tu vois, d'humoriste. Enfin, ouais, c'est marrant, ouais. Quoi. Ouais. Moi, je me, de toute façon, on n'est jamais dans une case. Moi, tu m'as pas posé la question, mais j'ai quand même te répondre. Laquelle? Mais en fait, non. Quand j'étais plus jeune, j'étais assez forte comme ça. J'avais un autre nez. Ouais. Oui, ça c'est la scène. Hein, ça fait mincir la scène. Ouais, hein, ça, alors là, ben oui. Et en fait, moi, mais oh, Michel. Il y a toujours quelqu'un. Non, mais ça c'est un truc. C'est des natures, mais le tout c'est d'être harmonieux. Mais j'ai pas la bonne. C'est dommage. Mais si, c'est harmonieux. Non, mais c'est... Non, c'est une partie idiote, excusez-moi. Voilà, je ne le ferai plus. Et je pensais que je ne serais jamais actrice. Je pensais que je n'arriverais jamais à être actrice, en fait, quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'avais un copain qui s'appelait Robert Matera, qui te ressemblait d'ailleurs, qui est mort depuis. Non, mais c'est vrai. Qui était un mec génial. Ça me qui fait était, peur, qui était très... Non, tout le monde meurt dans le spectacle, c'est une blague. La meurt. Mais tout le monde meurt tout court, un jour. Voilà, hein, non, mais je veux dire, oui, enfin, bon. Je te présente ma grand-mère. Je vais taper des pieds un peu pour Stéphane Rousseau. Non, et en fait, je m'étais dit que le seul biais, peut-être, c'était de faire le clown, tu vois, avec des machins. Et j'avais réussi au Tintamarre, mais c'est parce que ce copain, en fait, il m'avait raconté beaucoup de ses sketchs et il m'avait donné l'envie. Et le jour où j'étais au Tintamarre, il y a longtemps, il y a 20 ans, et que tu commences la première fois, je ne sais pas si tu te souviens, la première fois, enfin, ouais. Où tu fais rire les gens, c'est un truc, c'est au-delà de tout, c'est quoi. Jouissif. Ah oui, c'est exceptionnel, c'est un truc, c'est comme une libération, comme si tu découvrais un autre monde, quoi. C'est incroyable. Tu dis, mais comment ça se fait qu'il rit de moi? Alors que bon, moi, je doute beaucoup. Donc forcément, tu vois, lui, il est habitué. Tous ceux qui sont ici sont des grands habitués quand même. Et vous démarrez votre premier spectacle bon, seul en scène, rire, face au public, dans ce qui est plus difficile. Je sais où je vous ai vu, c'est dans un film de Claude Berry. Ça se peut? Non, c'est pas moi. Vous êtes c'était le frère de Carole Rousseau? Non, c'est pas elle. Non. De Claude Berry? Moi, je pensais... Il dit vous, c'est incroyable. C'est une approche. Je vous assure, vous c'est une approche. C'est des extraits du spectacle de Clémentine qui s'appelle Madame sans chaîne. Oui. En fait, il faut toujours grandir en fait, pour comprendre l'amour. Et ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai toujours pas compris. C'est affreux. Je sais pas, toi, comment tu es quand tu es amoureux, hein? Alors moi, c'est affreux, c'est une maladie presque. Ah oui, j'ai grandi, je m'en suis pris à ce qui venait comme ça sous la main. Bah, oui, à un moment donné, il y a des hommes comme ça. Oh, un homme. Oui. Alors bon, je ne le chassais pas, je ne le dépeçais pas, le pauvre homme. Oh, non, je ne lui arrachais pas ses membres non plus. Non, enfin pas tout de suite. La guerre, mesdames, c'est quand il y a ce que les hommes appellent des bombes. Oh, ça va, c'est trop cool, hein. On va en boîte de nuit, hein. Les bombes, attention, elles approchent. L'homme, ah oui, surtout sans qu'il s'en aperçoive. Ça va, mon amour, ça va. Oui, c'est la première à droite. Ah, oh, je t'aime. Non, mais attends. Alors, je n'ai rien contre les boudins. J'ai été un boudin, je suis un boudin, je serai un boudin. On est toutes des boudins. Je suis pour la boudinisation générale, internationale. Comment, excusez-moi, monsieur, dame, mais... Ah,
Mais comment, monsieur Mombel? Excusez-moi, madame, là, mais... Mademoiselle, plutôt, ouais. Vous ne saviez pas que Clémentine, c'est rien. Si! Mon Dieu, mais quand tu... Ah, mais je me disais bien, ce n'est pas Catherine Deneuve, hein, c'est Clémentine. On n'a pas joué dans un film de Claude Berry, donc. Ici, hein. C'est bizarre de se voir dans cet état-là. Donc non, ce n'est pas Catherine Deneuve, mais elle est super quand même, Clémentine. C'était pas Lelouch, hein, c'est un film de Lelouch. si, ouais. Oui, de Lelouch, oui. De toute façon, il fallait bien répondre oui à un moment ou à un autre. C'est gentil. Si vous riez pas, Clémentine, si vous êtes une grande sensible, comme Michel d'ailleurs, je pense aussi. Je suis foutu. Rire, c'est... Non, c'est pas possible. Si moi, j'ai trois enfants. Vous pleurez? Oui. Bah oui, parce que je... Bah, de toute façon, c'est un peu terrible. Enfin, en ce moment-là, c'est pas terrible ce qui se passe, on va dire, autour. C'est plutôt désespérant. Donc, alors moi, je me dis tous les soirs que j'ai une chance incroyable. Je vis avec mes trois fils à table. Quand on vit ensemble, tu les... Alors, c'est ça, vous parliez tout à l'heure. On est toujours sur le mode de la dérision. Nous. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de se foutre de la gueule de l'autre. Enfin, des phases débiles. Hein. On se fait des trucs, des blagues à deux balles. Mais c'est notre façon d'être. Parce que, en fait, la dérision, moi, je trouve que c'est vachement essentiel. Et de ne pas se prendre au sérieux. Tu vois, en plus, je trouve que c'est rien de pire. Enfin, il n'y a pas là ce soir ça, mais quelqu'un d'un humoriste, tu sais, qui se commence à... Ouais, tu commences à théoriser. Ce soir, je ne suis pas d'accord avec toi, Clément. Parce qu'il y a une notion que tu as oubliée, c'est l'humour. C'est important. Si vous n'aviez pas été humoriste, vous auriez fait quoi comme métier? Vous avez pensé à ça, Élie? Qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre comme métier? Qu'est-ce que j'aurais pu faire chanteur, c'est ça que tu as dit? Je ne sais pas si tu as eu raison de revenir, toi. Tu as dit psy dans une interview. Tu as dit psy dans une interview. Ah oui, mais moi, tout ce qui... Mais c'est presque pareil pour moi. Le métier d'humoriste, c'est presque un métier de... C'est éponger les angoisses des autres. Oui, c'est ça. Essayer d'en faire quelque chose d'autre. De sociologue, en fait. C'est une, on a une vision sur la. On a une vision sur la société, en fait, qui essaie d'être très pertinente, quand même. Et puis, oui, c'est tout ce qui concerne l'âme humaine, ça m'intéresse, ça me passionne. Comment est-ce qu'on réagit, les rapports humains? Les rapports amoureux, les rapports... Il y a un philosophe qui vous dira tout à l'heure que vous êtes... Être sérieux, voilà. Voyez, c'est... Bah, on percade. On percade. Il y a quatre qui décrochent. Hein? C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui est dans mon corps. Mais tu dis que c'est jamais toi et c'est toujours toi quand je me retourne. Alors c'est qui? Et tu sont plusieurs ou quoi? Tu étais où à l'instant? J'étais aux commodités. Ah oui. Voilà. Carrément. Ah, j'avais un petit besoin naturel. Oui, appelez ta femme. Non, c'est fait, c'est bon. D'accord. Non, il fallait que je fasse un petit paille-paille, c'est fait. D'accord. Il reste encore deux, trois trucs en stock qui n'ont pas été faits pour le reste de l'émission. Il y a peut-être un caille-caille après, mais c'est pas sûr. On parlait des coups durs de la vie pour les transformer en faire quelque chose, Michel. Quand votre copine Marie-Pascale, c'est Marie-Pascale Osterite. Marie-Pascale Osterite, oui. Est venue vous proposer cette idée du démon de midi. Ça lui est arrivé dans sa propre vie à elle? Non. Elle va très bien. Ah bon, d'accord. Tout va bien. Non, c'est Florence Sestac qui est dessinatrice de bande dessinée. Ah, c'est ça. Qui avait écrit une BD qui s'appelait Le démon de midi. Elle l'avait dessinée dans la rage parce que son mari venait de la quitter. Donc, elle s'était un peu énervée. Quand on a lu cette BD, évidemment, on s'est marré parce que ça faisait longtemps qu'une femme ne s'était pas exprimée comme ça sur ce sujet-là. Et généralement, on est plutôt tendance à s'enfoncer plutôt qu'à avoir un rire de ça. Et c'était un peu écrit comme un monologue, donc on a eu l'idée de l'adapter. Et puis, bon, ça a traversé ma vie après, mais c'est vrai que c'était assez étonnant que les choses se croisent. Et tu l'as joué combien de fois, ce spectacle? 600 fois. Oh là. Voilà. Ça fait combien d'euros, ça fait ça? Pas mal. Bravo. On va regarder les extraits. Le démon de midi, donc les femmes délaissées à l'approche de la quarantaine. T'as une maîtresse, une quoi? Une amoureuse, une liaison, une chérie, une grosse, une pouffe, une gerce, une gisquette, une morue! Mais t'énerve pas! C'est qui? Et là, en un éclair, j'ai vu défiler toutes les copines. Si j'avais su, j'aurais zigouillé toutes les bonnes femmes de moins de 30 ans. Ah non, parce que moi, je le sais, hein. La pouffe guette.
elle est tapie dans l'ombre. L'œil et le nichon aux aguets. Prête à bondir sur le mari modèle. Le problème, c'est qu'on les reconnaît pas tout de suite, ces filles-là. Bravo. Comment vous faites pour jouer un spectacle comme ça quand les soirs où vous n'êtes pas en forme, par exemple? Bah, les soirs où je ne suis pas en forme, quand je pose le pied sur la scène, je suis en forme. Ah, ça démarre tout de suite. Ouais, c'est magique, la scène. Hein. Franchement, on n'est plus malade, on ne pense plus à rien. Enfin, c'est curieux. Ouais. Dans la vie, avec les enfants, etc., tu arrives à provoquer les mêmes ambiances que chez les salariés? Ou est-ce que... Parce qu'il y a une grande tragédienne aussi qui est en toi. Alors, comment tu composes avec elle? Non, mais moi, j'essaie d'être... Oui, j'aime bien que mes enfants partagent les choses avec moi. Donc, c'est la complicité aussi de ça. C'est vrai que je suis quelqu'un d'une nature un peu mélancolique, mais en même temps, je lutte contre ça. Tout le temps? Mais c'est ma nature de dire des conneries, j'adore ça. Mais mes enfants, ils suivent hein, l'exemple. Moi, je pense que c'est l'exemple. Je veux dire, si chez soi, on a toujours des têtes de déterrés, au bout d'un moment, soit un jour, ils ont la réaction, ils vous mettent une claque, ils se barrent, et ils se droguent, soit ils se marrent avec vous. Donc, même un coup dur dans la vie, etc., tu arrives à le transformer à chaque fois, ou tu essayes en tout cas? Un coup dur, c'est un coup dur pour tout le monde. Je veux dire, on est tous en train de dire l'humour, mais j'ai des moments, on prend des claques dans la gueule, elles sont comme, elles font pour tout le monde la même chose, elles font mal. Mmh. Et qu'on arrive à en rire quelquefois quand le temps a un petit peu passé et qu'on arrive à faire les choses. Mais je veux dire, on essaye toujours de décaler les choses. Elles deviennent moins graves, c'est moins sacré et on devient peut-être un peu moins bête. Quoi. Ça me fait penser à une phrase aussi de Georges Volinsky qui disait que l'humour est terrible. Bravo, Élie, c'est... Qu'est-ce que tu es pour tes enfants par rapport à ce que ton père était pour toi? Je sais pas. J'espère que je suis la mère idéale. Papa, c'était un être idéal parce qu'il était excessivement passionné et fou et qu'il était capable de tout. Donc, il est obligatoirement exceptionnel et idéal parce que c'est un héros tout le temps. Parce que c'est quelqu'un qui se bat tout le temps et qui vous dit tous les jours qu'il vous aime. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un père idéal. Il t'a vu sur scène? Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, chaque fois qu'il venait, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et j'avais une grande chance, c'est que mon père, tout ce que je faisais, c'était formidable. Ouais. Donc, même s'il ne le pensait pas, parce il que le je disait. Pense que des fois, il ne l'a pas pensé. Ouais. Mais je crois que... Non, il a été super fier quand j'ai fait spectacle toute seule. Ouais. Ton père, il vient de voir sur scène? Oui. Ça lui arrive. Non, ça me fout pas le trac, parce que je sais qu'il va me dire des choses pas essentielles, mais qu'un père dit à son fils. Non, mais des petits détails. Je sais pas, t'avais l'air énervé là. Des trucs qu'on peut pas. Oui, genre, il te connaît mieux que les autres, voilà, donc il a vu des choses que les autres ne voient pas. Pourquoi tu mets un jean sur scène? C'est pas. Des choses comme ça. Donc, Il parle pas comme ça, ton père. Non, j'exagère un peu. Il a une pointe d'accent d'Afrique qui remonte, oui. Monsieur Kahn. Le rire est une émotion et il y a de l'émotion dans ce que disait Michel Mercier, simplement une observation. Michel Bernier. Voyez que j'ai de la mémoire. J'aime le choc de ces deux mondes. Je trouve qu'elle avait une très belle définition. C'est Axel ou Alex? Axel. Michel Thor. Michel Sardou. Platini. Michel Platini. Elle avait une très belle définition du père idéal. Je disais qu'elle avait une très belle définition du père idéal. Et en réalité, il me semble qu'on n'aime pas un père parce qu'il est idéal, mais il est idéal parce qu'on l'aime. Et ça, elle l'a dit avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Voilà. Sans doute. Dans le cas de Michel, c'est sûr. Alors, si on a entendu Michel... Anne, Clémentine, un peu Sophie aussi. On n'a pas vu toutes les filles qu'on voulait recevoir. C'est important de dire que ce n'est pas Mercier ni Barnier. mais bien le mariage des deux. J'aimerais, non, c'est important. Mais moi, je le sais. Je le dis à la France entière qui nous écoute. Une fois pour toutes. Parce que le Barnier, bon, il a été ministre. Bon, maintenant, il n'est plus, heureusement. Mais à une époque, tout le temps, il était ministre. Merci d'ailleurs, Michel, de t'être cassé du gouvernement. Le pauvre, il reviendra, Michel. Et un jour, dans mon sommeil, j'avais laissé la télé allumée. Et je me réveille en entendant Michel Barnier va aux obsèques de Ronald Reagan. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre?
aux obsèques de Ronald Reagan. Ouais. Et c'est au fur et à mesure, au bout de 15 cafés, que j'ai compris que ça n'était pas moi, mais le bar et non pas le beurre. Voilà. C'est pareil. Non, pareil. Comment que j'ai. Non, je dis, j'ai le même problème avec Alain Delon. Tout le monde. insupportable, putain de merde. Une fois pour toutes, qu'on le sache. Qu'on le sache. Et que ce soit dit. Alors, parmi les femmes drôles et celles qu'on aime bien, quelques-unes n'ont pas pu être avec nous ce soir. Elles sont à l'étranger. Alors, je voudrais qu'elles apportent leur petite pierre à notre discussion de ce soir. Voici donc les réponses aux questions que leur a posées Élodie Bastien. Star. On regarde vous ou on regarde la caméra? La caméra. Ah. Excusez-nous. Être drôle, ça attire ou ça fait fuir les garçons? Oh ben la dernière fois que j'ai fait rire un gars, comme on dit, c'était au restaurant et ça l'a attiré. Vers la sortie, putain. Ah oui, c'est vrai. C'était drôle. Oui. Ça fait fuir les gars, ça attire les chiens. De type bulldog. Non, ça... Je dirais que ça trie, ça fait fuir les cons et ça attire les bons, parfois, donc c'est plutôt pas mal. Y a-t-il un humour féminin? Pardon? Bah, l'humour féminin, c'est subtilité, délicatesse, pas de vulgarité, jamais, jamais, jamais. C'est ça qu'on apporte en plus, hein, dans le monde de l'humour, je crois, avant tout. Hein. Une forme de volupté, de sensualité, de délicatesse. Ouais. Madame, on vous écoute. Attendez, attendez, je sais pas. Le bruit qui vous fait rire? Ah, oh, c'est celui-là! J'adore quand tu fais comme ça! Je sais plus que. Et puis quand tu. Reviens! Oh, c'est drôle! Votre plus gros bide? Jamais de bide! Jamais, malheureuse! Le mien, à la limite. Ça, c'est le plus gros qu'on puisse trouver sur ça. Ça, c'est. César du gros bide. La question, madame, c'était? Oui. Votre plus grosse gaffe? Oh, bon, on n'en a jamais fait. Hein. Non, non, je vois pas. Non. Et puis au cas où, on en ferait. Ce serait pas devant le public de Jean-Luc Reichmann qu'on le dirait. Pardon, excusez-moi. Ce serait pas devant le public de la rue Reichmann qu'on le dirait. Votre sujet de prédilection pour faire rire? Ma vie. Sur France 2. Tous les samedis. À 19h50. Et les rapports hommes-femmes, les relations entre les hommes et les femmes, et leurs différences et leurs ressemblances, c'est un sujet inépuisable. Rire pour ne pas pleurer? Rire pour pas se faire chier, je préfère. De qui aimez-vous vous moquer? Ah oui, alors moi c'est de la fille que je vois tous les matins en me levant face au miroir. Oui, de la même. Elle le sait pas. Votre blague préférée? C'est la plus simple, hein. Qu'est-ce qu'une tomate avec une cape? Super tomate. Voilà, tout le monde la connaît, je sais, je veux faire un bide, mais je m'en fous, j'assume. Alors, quelle est la différence entre un oiseau? Tu sais pas? Non. Eh bien, il ne sait ni voler. Pépé, Samantha et Florence Foresti. Ça va, Kad? Vous avez une blague? J'attends un coup de fil, mais ça va. D'accord. Vous avez une blague qui vous fait rire? Après non. Celle de Samantha, ah. Vous pouvez y aller. Waouh! Wow. Alors oui, c'est un 0 qui rencontre un 8. C'est quoi la chute? Je vous laisse réfléchir. Ouais. Ouais. Vous n'êtes pas toujours drôle dans la vie, Élie. Ça doit être dur à assumer parfois dans des comités qui vous attendent pour justement que vous les fassiez rire. Ah oui, c'est un peu énervant même. Mais bon, mais j'essaye d'être le plus naturel possible. Et puis voilà, je considère que moi, dans la vie, de toute façon, il n'y a pas de quoi rire. Hein. Vous pensez souvent à votre spectacle? Comment? Vous pensez souvent à votre spectacle dans la journée quand vous voyez des gens? Oui, j'y pense quand je le crée. Là, ça m'obsède, je dors pas de la nuit, je me relève, je réécris des phrases. La période de création d'un spectacle, c'est une horreur, c'est atroce. Et là, j'entendais poser la question à Florence, quel est votre plus gros bide? Moi, j'ai connu un bide avec ce spectacle. Avec le nouveau? Au tout début, c'était horrible.
J'ai tout remis en question, c'était atroce. Et c'était où j'ai fait toutes les erreurs. C'était où pour, oui, pour que... C'est Sarreguemines. Ah, Sarreguemines, donc... Et j'en suis désolé pour cette magnifique vous ville de Sarreguemines. Vous repasserez à Sarreguemines. Élie, il faudra repasser à Sarreguemines. Et j'ai fait toutes les erreurs qu'on fait quand on débute. C'est-à-dire que j'ai tout fait rapidement. Comme je voyais que ça ne marchait pas... Vous avez tout envoyé. J'ai tout envoyé. Le spectacle, il a fait même pas une heure. Alors tu penses que les gens... Ah, non, c'est vraiment un connard. Hein. T'as plu, toi ? C'est ça, Élie, c'est vous. Oh, ah non, c'était terrible. Vous avez qui s'est déjà pris un bon bide ? Oh, tous, je crois qu'on est tous... Attends, j'ai été honnête, je l'ai dit, hein, vous pouvez le dire. Et Clémentine ? Moi, j'ai auditionné ce spectacle, qui, Dieu merci, marche et est prolongé jusqu'au 28 février. Mais sinon, je n'aurais pas raconté cette vanne. Je ne serais pas là. Devant mon producteur d'avant, il s'est endormi. Ouais, il faut dire que je n'étais pas vraiment prête, si tu veux. Mais il y a toujours, une raison. Et j'étais à tout berzin. Puis j'avais le script. Mon fils était là, c'est Abraham Diallo qui était là à ce moment-là. Et c'est là où il m'a dit, maman, si tu veux, je te donne un coup de main. Ça, il faudrait mieux le mettre là. Ça, il faudrait que tu l'expliques. Ils ne comprennent pas bien ce que tu veux dire. Parce que tu es un petit peu... Bon. Voilà, donc il a fallu bien, bien tout restructurer. Mais comme les enfants qui font du coloriage, ça déborde un petit peu du... Mais oui, mais voilà. Mais, et en même temps, il faut bien structurer. En même temps, il faut que ça déborde. C'est fou ce qu'on se fait chier pour le public. Non, mais ouais. Vous ne pouvez pas savoir. Cas d'Olivier. Non, nous, on a connu notre plus gros vide avec vous, Jean-Luc. Ah oui, ouais. Dans une de nos émissions. Non, mais quand on a démarré à la télévision française... Antenne 2. Ensemble. Antenne 2. Antenne 2 à l'époque. Linux, tout ça, le RTF. Non, non, c'est vrai, on avait comme difficile tâche, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Luc, de faire un sketch. C'était l'époque de Déjà Dimanche, Déjà le retour. Vrai. Déjà le retour du dimanche. C'est ça, le retour du dimanche, déjà le retour, avec toi dans ton cul. C'était quoi déjà? Ouais, non, c'était pas ça. C'était après. On faisait un sketch, il y avait deux invités, je me souviens bien, il y avait toujours deux invités. Il fallait qu'on arrive à écrire un sketch qui réunissait l'univers des deux invités. Et ce jour-là, il y avait Muriel Robin et Christian Clavier. Oh. Ouais, monsieur, dame. Ouais. Eh oui. C'est à l'époque que ça marchait bien pour eux. Et donc... Oh, ça va, c'est bon. Non, je regarde là. Non, vraiment, bon, je sais pas pourquoi je regarde là. Il n'y a personne que je connais. Il fait que des parenthèses, toi, quand tu parles. Et donc, ça, c'était ailleurs. Et donc, j'ai vu... Avance. Et donc, je sais plus. Si, Christian Clavier, Muriel Robin. Non, vous verrez. Et donc, mais non, mais c'est qu'on avait créé un sketch. On s'était fait chier, tout est fait chier. Parenthèse. J'ai le droit de faire des parenthèses. Non. Et là, qu'est-ce que vous avez mis dans ce sketch de Muriel Robin, Christian Clavier? Je sais qu'on avait fait un sketch qui réunissait. Pour résumer ce que vient de dire Cad, je vais faire en une phrase. Non, non, mais la vraie difficulté, c'est que là, pour le coup, sur ce sketch-là, il n'y a pas eu un seul rire. Il n'y a pas eu. Et puis les applaudissements étaient vraiment très. Non, non, une sorte de gêne. Ce qui était pire. Allez, vite, on passe à autre chose. Ce qui était pire, c'est qu'on avait fait un sketch pour Christian Clavier et Muriel Robin, et que pendant le sketch, il parlait avec vous. D'ailleurs, vous parliez avec eux, d'ailleurs. Non, je veux dire, ils ne s'intéressaient pas du tout à ce qu'on faisait, alors qu'on l'avait écrit pour eux, en leur honneur, en essayant de réunir les univers. Mais en même temps, on apprend aussi dans ce spectacle. Et on était là, on jouait seul dans un coin du plateau. Enfin, ouais, il faisait froid, il y avait de la poussière, on n'avait pas mangé, tout ça. Maintenant, ça va, on a de l'argent, on a du succès, tout va bien. Je veux dire, ça a été dur au début. Non, on a fait trois saisons ensemble. Ouais. Ah ouais, deux saisons le dimanche et une saison tous les soirs à 19h. Et c'est là qu'à 19h, il faisait un remontage, en fait, où il redoublait un remix en direct. C'était culotté. On a quelques bons moments de Cadet Olivier à la télévision, regardez. Oh là là. Oh mon Dieu. Dans l'épisode de la semaine précédente, le chef Georges Aubonne, aidé de Eric, son jeune assistant, a réussi à démouler prématurément son cake. Il reste peut-être un espoir. Passez-moi un concombre. Quoi? Discutez pas, passez-le-moi. Concombre. Papier d'alu. Papier d'alu. Poudrillette. Poudrillette. Gras du jambon. Gras du jambon. Les clés de ta 106. Les clés de ma 106. Un piou. Un piou. Épongez-moi. Non, du côté de sa gratte. Pardon. Un briquet. Un briquet. Et voilà le travail. Le président aura son gâteau, mon vieux. Comment est-ce que vous avez fait ça? Vous êtes un véritable magicien, chef. 20 ans de métier, Eric. Ça vous arrivera un jour. Il arrive, il monte sur le cours, Steve Austin, alias l'homme qui valait 3 milliards. Il arrive, il rentre sur le cours. Grâce à sa super rapidité, personne ne l'aperçoit. Ses images, jamais personne ne les a vues. Il se plombe devant Colty. Il lui assène un super coup de genou rotatoire hydraulique dans la cuisse et un pétage de tibia. Il s'en va aussitôt. Colty. Colty, qui croit être victime d'une crampe, rate son coup droit et envoie la balle en dehors du cours et offre la victoire à l'équipe de France. Et c'est Nelson Montfort qui conclura cette magnifique journée pour le tennis français avec cette phrase mémorable en forme de citation.
Si la France a gagné, c'est que la Suède a perdu. Oui, si les stars suscitent l'admiration, elles engendrent aussi la jalousie. Et c'est pour cela que nombre de comédiens font appel à une sécurité rapprochée. J'ai pied, là ? C'est ok, monsieur Charmant, c'est ok. Vous savez, un garde du corps d'une de ce nom se doit de respecter la règle des 3 C. Contrôle, clairvoyance et qualité. Le plus important, c'est ça. La vista. The view. La vue. Comment ça se passe avec les fans? Bah, j'essaie d'être toujours le plus disponible possible, s'il d'être, plaît, d'être à leur écoute. S'il vous plaît, j'essaie de... Oh, Max, charmant, s'il vous plaît, un autographe. It's okay. Si je suis là aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux, faut pas que je l'oublie, quoi. Quel est Olivier? Ça vous passe le cœur, ça te passe le cœur à chaque fois que tu en vois deux qui s'amusent ensemble, forcément. Ah bah oui, oui, non, mais c'est clair que je me rappelle un petit peu de ma complicité. À quel âge tu as commencé sur scène avec Dieudonné? Je me souviens des débuts dans le petit théâtre. Au Café de la Gare, ouais, c'était... Petit Palais des Glaces. Ouais, au Petit Palais, on en a fait plein, le Splendide. Bah, je sais plus quel âge j'avais. Et comment ça a collé entre vous, dès le début? Tout de suite, c'était un coup de foudre amical. On était de la banlieue parisienne, hein, je ne sais pas si tu connais. On est de la même. On vient de la même. Voilà, on vient de la même en l'occurrence. Et donc, en fait, on était Verrières le Buisson, Anthony, je tout ça. Bien. Voilà. Mes premières années. Voilà. Et donc. Tour 14, résidence 14. On était. 14e et on était toute une bande de copains et on était les rigolos de la bande. À tel point que moi, j'étais un petit peu déjà dans le métier et à tel point que mes amis, tous mes potes m'ont dit mais il faut que vous montiez sur scène, etc. Donc on l'a fait. Comment? J'aime vos accents. C'est vrai? Ah ouais. Tu trouves qu'on a un accent? Ouais, un petit accent. Ah ouais. C'est bon. Globalement, tous les invités. Globalement, tout le monde. Oui. C'est qui est-ce qui a l'accent le plus prononcé pour toi? C'est moi? Ah ouais? Ah bon? Oui, oui, j'aime beaucoup. J'adore votre émission d'ailleurs. Ouais, c'est, merci beaucoup, Stéphane. On ne sait pas quoi penser quand c'est. Si vous êtes sincère, merci en tout cas. Non, c'est vrai. Vous trouvez que je parle pointu? Non, mais on reconnaît ce petit accent français, même si vous n'en avez pas. Ouais. C'est bien. Tout dépend du point de vue, en fait. C'est toujours pareil. Tu sais, le québécois, c'est pas un accent, en fait. Hein. C'est juste un mélange de français et de fautes de français. Ah. Non, en fait, c'est du vieux français. C'est parce que vous avez arrêté de le parler, ce français-là. C'est vrai? Qu'avant, on parlait tous comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a du patois dans le québécois. Oui, il y a beaucoup de patois. Il y a beaucoup de patois dans le québécois. Alors ensuite, quand tu t'es retrouvé tout seul, tu as fait Ellie et Semoun. Et Semoun, oui, c'était un petit clin d'œil au duo qui était mort. Et maintenant, Ellie se prend pour qui? Bah, voilà, donc tu as toujours besoin de quelqu'un? Se prend pour quelqu'un d'autre? J'ai toujours besoin de quelqu'un, oui. Alors, se prend pour qui en l'occurrence? C'est la question à laquelle j'ai du mal à répondre. Ouais. En fait, je suis une sorte de caméléon, on va dire. Hein. Donc je prends la personnalité de plein de personnages, etc. Mais au fond, moi, qui je suis tous ces gens-là. Des petits bouts de tous ces gens-là. Tu entres dans Kevina, tu entres dans Kevina quand tu es dans Kevina. Non, c'est ce que je veux dire. Tu es Kevina quand tu entres dans Kevina. Oui. Ouais. Puis j'ai envie que, quand je suis sur scène, que les gens me disent « Ah, c'est dingue, j'ai vu une petite nana de 14 ans » ou « J'ai vu un mec en train de se... » Un mec sur une chaise roulante, etc. Parce que c'est le cas de mon spectacle, il y a plein de personnages comme ça. On va voir, là. Voilà. Ouais. Et on va regarder ce reportage. C'est un reportage donc à Toulouse, dans les coulisses du spectacle d'Elie, qui est pas... C'est trop horrible, je déteste me voir. Avant et après, vous êtes un peu tendu, ça c'est, ouais. C'est clair. C'est un reportage de Corinne Biès et de Mohamed Mahmoudi. Bonjour. En tant que pirate de l'audiovisuel, j'ai réussi à m'introduire dans ce programme de divertissement. Afin d'envoyer des images subliminales. En effet, si tu es blonde à forte poitrine et que tu as entre 20 et 20 ans et demi, viens à moi. Blonde à forte poitrine, viens. Je te prêterai ma brosse à dents. Ellie Semoun, un duo devenu solo à lui tout seul. Après Dieudonné, les petites annonces, puis les one-man shows, Ellie Semoun, c'est 20 ans de carrière et déjà un large public conquis. Exubérant sur scène, il est beaucoup plus timide dans la vie et les gens qu'il apprécie respectent sa discrétion.
Ah, merci, vous êtes sympa. Bien, super. Vous avez un public plutôt jeune, hein? Bah oui, vous voyez, la personne, là, elle doit avoir 15-14 ans. bah, c'est assez large, hein, d'après ce que je vois, puisque maintenant, comme c'est des grandes salles, alors ça s'élargit, le public. Mais la plupart du temps, oui, c'est plutôt des jeunes. Est-ce que vous sentez un peu de mission vis-à-vis des jeunes? Une mission, c'est beaucoup dire, parce que si je parle on parle de mission, tout d'un coup, je vais me prendre au sérieux et tout. Oui, j'ai la mission, je vais sauver la France grâce à mon humour. Non, j'ai pas une mission particulière. Pas de mission donc, mais un regard qu'Elie porte sur notre société à travers ses personnages récurrents, comme ici, avec Toufik. Donc, je réside dans les quartiers chics de Villetaneuse, où je suis issu des meilleures familles royales qui vont de Louis XIV, dit le Gaulois, Saint-Jacques de Compostelle, par alliance. Vas-y, pourquoi tu te fous de ma gueule, Abdelatif? Je vais pas aller dire que je descends de garde à vue, non? Plus je suis sur scène et moi, j'éprouve le besoin de faire le crétin dans la vie, quoi. Et voilà, destination de Toulouse, vol AF 6154 en porte B. Bonne journée. Par ailleurs, une appli d'identité sera demandée à la rentrée. On va voir justifier l'identité. Bon, ben, comme vous l'avez entendu vous-même, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille prendre mon avion. C'est moi qui pilote. Vous voyez, je réponds à votre question, j'ai de l'humour. En tournée partout en France pendant 7 mois, Elie joue ce soir à Toulouse devant 4000 spectateurs. Peut-être trouvera-t-il parmi eux ses prochains personnages, car c'est en nous observant qu'Elie trouve son inspiration. J'ai un sketch sur deux petits homosexuels qui se séparent. Et ça, c'est un truc que j'ai vécu, mais ça a duré 2 secondes. On était dans la rue, en tournage à Nice. Et dans la rue, on voit deux petites jeunes filles. Enfin, deux mecs qui se séparent, mais en anglais. I don't want to see you anymore. Puis il y en avait un, il avait un Kleenex, puis il l'a jeté comme ça. Et après, 2 secondes plus tard, il a récupéré les Kleenex parce que c'était sale de jeter des Kleenex dans la rue. Enfin, bref. Ça a duré 2 minutes, même pas. Hein. Ben voilà, ça m'a inspiré un sketch. C'est une alchimie très bizarre, hein, ce qui nous fait rire et ce qui nous fait pas rire. Moi, plus c'est tragique, plus ça me fait marrer. C'est ça, l'humour, hein, maintenant? Les jeunes, là, ils se foutent de la gueule, là, ils se foutent de la gueule de tout le monde, là. Les gros, les pédés, les handicapés. Je vais lui faire casser les jambes, on va voir s'il va se foutre de la gueule à l'hôpital, à petit con. Si, les juifs et les arabes, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Je suis d'accord, passer au karcher, là, tout ça. C'est pas tout à fait exact de dire que quand ça va mal, les gens ont envie de se marrer. C'est quand ça va moyennement mal. Quand ça va très mal, quand ils ont peur vraiment, quand il y a une ambiance de paranoïa totale, là ils sortent plus quoi. S'il y en a qui ont décidé de foutre la merde, c'est pas ce soir. Ta gueule. Ce soir c'est moi qui fais le guignol et c'est pas vous. Que j'ai pas à m'arrêter en plein milieu du spectacle. Hein, moi je viens pas vous emmerder sur votre lieu de travail. En fait, quand ça va mal, les gens, soit ils cherchent des palliatifs, quoi. C'est la religion, le Front National, et ou alors le rire, quoi. Bon, je commence à voir le trac, là. Malgré son trac, Elie trouve encore le moyen de régler ses petits problèmes domestiques par téléphone. J'appelle le plombier 10 minutes avant de jouer. Ça vous détend? Ah, je suis obligée. Oh là là, c'est extraordinaire cette chaise roulante là, c'est super hein. Oh, oh le matos, dis donc. Ça correspond à quoi les petits robinets, Patrick? Ça veut dire quoi? Hein? J'entends pas avec les pailles. J'entends pas. C'est quoi, c'est? L'oxygène! Ah, d'accord! Oh, bah ça va, mon pote, t'as même pas la peine de respirer, carrément, ça coule douce! Ah, d'accord! Ah, d'accord, le robinet, là, là ça le met, là, ça le coupe, ok. Va prendre l'air, Patrick, hein? On va rouler jusqu'à la fenêtre un peu, allez, on y va. Il est con. C'est que les pompiers, ils me l'ont dit, hein. Ils m'ont dit, monsieur, c'est un miracle.
parce que vous êtes arrivé, hein. Hein? Oui, à moi, pas à toi. Ouais. Tu te rends compte que moi, j'ai traversé le pare-brise, hein, pendant que toi, t'es resté assis, je sais pas pourquoi. Je suis passé au-dessus du ruisseau, dis donc, et même pas une égratignure, hein, tu te rends compte? Hein? Oh, si, oh, une petite foulure, là, ça va me poigner, là, ça me fait chier, d'ailleurs, tiens, regarde, là. Tu dis rien, Patrick? Tu m'en veux pour l'accident, ça? Mon Dieu, mais pas. Patrick, mais fallait me le dire aussi, t'es marrant, toi, hein, qu'on conduit pas bourré aussi! Allez, bon, je te serre pas la main parce que t'en as plus. Enfin bon. Bon, allez, Patrick, merde! Dis-toi que ça va aller comme sur des roulettes! Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Putain, je suis crevée. Est-ce que vous pensez que vous leur avez apporté à tous ces gens qui ont ri pendant deux heures? Vous voulez pas aller les interroger? Il a su nous faire des sketchs vraiment originaux, vraiment. Ouais, c'était super drôle, on était restés pliés en quatre tout du long. C'était comique, quoi. Une espèce de bonne humeur qu'on ramène chez soi. Enfin, je crois que c'est lui qui sort. Bonjour. Ah, c'est toi qui est venu. Oui. D'accord. Si tu voulais bien me faire un autographe. Donc pour Frédéric. Là, ça vous a plu. Ah, c'était génial. Bon, super sympa, merci. Vraiment. Merci. Continue comme ça, c'est super. Merci. Tu te sens comment quand tu te vois sur scène? Quand je me vois sur scène, ça va. Dans la vie, non. Moi, j'ai du mal à me voir. D'ailleurs, j'étais prêt à partir, mais j'ai pas réussi parce que. On t'a bien attaché. Le micro était... On t'a bien attaché. Ouais. Ouais, et tout seul face à 4000, il faut quand même y aller. Hein. Oui. Mais bon, une fois qu'on est lancé, ouais, ça y est, quoi, ça va. Et j'avoue que je pensais pas que mon spectacle pouvait être adapté à des grandes salles comme ça. Parce que, plus pour le stand-up, par exemple, où tu t'adresses directement aux gens. Alors que moi, c'est un univers, je rentre dans des personnages, un peu comme fait Valérie Le Mercier, par exemple. On rentre dans son univers, quoi. Je ne fais pas appel aux gens, c'est eux qui viennent directement. Donc oui, mais ça fait peur. Toi, Thomas, dans le stand-up, au contraire, tu vas à la pêche? Moi, ouais. Moi, j'ai besoin de créer une intimité avec les gens. Et effectivement, mais même en stand-up, quand moi, j'ai fait la première partie de Jamel, on jouait dans des zéniths aussi, et je me suis retrouvé devant 4500 personnes. C'est trop. C'est bien, c'est génial quand ça fonctionne, c'est super, c'est excitant. Tu prends de l'adrénaline et tout, mais il y a eu des moments de grande solitude parce que des gens qui étaient venus voir Jamel, j'imagine, qui te connaissaient pas forcément au début, devaient être un peu surpris. Il y a eu des moments où tu t'es dit, c'est pas gagné. Ouais, moi, il y a eu deux soirées assez horribles. La première, c'était la première, et c'était au Casino de Paris. C'était la première fois que je faisais sa première partie. J'étais là. À la première. Ouais. C'était une horreur. C'est dur, très dur. Et j'ai fait une énorme connerie, c'est que je m'y attendais pas en fait, et j'ai commencé à jouer. Et il y avait quelqu'un qui était assis sur le balcon, qui était à 2 mètres au-dessus de moi. Il était vraiment à côté de moi. Et il me chuchotait dans l'oreille pendant les 3 premières minutes. Il me disait, hey, casse-toi. Hey, dégage. Pas marrant, c'est bon, dégage. C'est cruel. Et en fait, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire qu'au lieu de le tourner en dérision, à un moment donné, en fait, la goutte d'eau, c'était, il m'a acheté une pièce. En fait. Et là, j'ai vu rouge, j'ai ramassé la pièce. T'as vu ça, Élie? Vu ça, c'était une souffrance. Hein. Moi, c'était dur. C'est horrible. Faut avoir le courage d'y retourner ensuite. Hein. Ouais, mais en fait, je lui ai fait la réflexion, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'empêches de bosser et tout. Et le public l'a hué. Donc j'avais le public avec moi et derrière, c'est parti. Mais j'aurais jamais dû réagir comme ça. J'aurais dû ramasser la pièce, le remercier, faire sortir une vanne là-dessus, le vanner lui. Demander s'il en avait d'autres. Et enchaîner. Bien sûr. Qu'on acceptait les billets éventuellement. Merci à tous les jours. Bien sûr, c'est ça. Et une fois à Grenoble, et je crois que c'était dans un zénith, enfin une énorme salle à Grenoble en tout cas. Au summum de Grenoble. Ouais, ça doit être ça. C'est une grosse salle. Hein. Là, il y avait toute la salle. Qui hurlait, on veut Jamel, on veut Jamel, on veut Jamel. Tu lançais des pièces, non, j'aurais bien aimé, mais
inspiré un public beaucoup, particulier. Jamel, ouais. Il me disait lui-même, il me disait franchement, t'as des couilles, parce que moi, si on me demandait de faire ma propre première partie, je refuserais. Non, mais il y a du vrai, il y a du vrai. Enfin, voilà, tu l'as vu. C'est vrai que Jamel arrivait souvent au dernier moment, d'ailleurs, pour rester dans l'énergie de l'arrivée et pas se miner un petit peu avant. On va justement accueillir un tout nouveau qui a eu la chance de commencer récemment sur scène, un peu tard, enfin, je veux dire, en tout cas, comme Clémentine, qui a fait différentes carrières et qui maintenant se retrouve non pas à 18 ans sur scène pour son premier one-man show, un peu plus âgé. C'est François-Xavier Demaison que je demande d'accueillir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonsoir, enchanté. Et donc avant de devenir comique, François-Xavier, j'en parlais tout à l'heure, vous meniez donc à New York, tambour battant, une carrière de youpi, comme on dit, de fiscaliste à Wall Street, là-bas. Ça ressemble à quoi, votre vie ? Bah, c'était la vie d'un type qui gagne bien sa vie, d'un jeune diplômé, dans une grosse boîte américaine. Voilà, j'avais mon litre de café, comme ça, mon donut, et puis j'étais dans un cube avec des Américains toute la journée. Comment vous avez atterri là-bas ? Vous avez fait ça ? Bah, j'ai toujours eu la passion de la scène, et puis j'ai eu peur d'y aller, quoi. Donc, vous avez fait Sciences Po ? Voilà, j'ai fait des études plus sérieuses, et puis je suis parti avec ma boîte aux États-Unis, et là, c'était... Avec votre boîte et votre frustration, déjà ? Oui, déjà, mais bon, le rythme était quand même soutenu, hein. Les Américains, c'était quand même... Let's go to the business man, so, tous les jours, c'était quand même... OK, correct. Voilà. Correct. Ouais. Oui, on allait dans... Et puis, il y avait beaucoup de compensation. On allait dans des restos comme ça, c'était... Tour, oh my God, c'est so good, you know. C'était très américain. Enfin, j'avais l'impression de jouer dans Wall Street, donc c'était assez grisant. Et puis, au bout d'un moment, ben oui, c'est... Bon, la passion de la scène qui est revenue avec des événements... Mais c'est le 11 septembre vraiment qui vous a déclenché ça? Oui, disons, oui, ça a été un choc. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, tout ça est provisoire. On est là pour peu de temps, donc j'ai de compte à rendre à personne. Ma passion, c'est la scène. Il n'y a rien de plus fort que d'être sur scène et de faire rire. Et tout le monde l'a dit merveilleusement. Et voilà, il n'y a rien à rajouter là-dessus. Mais pour ce plaisir-là, voilà, il fallait que je remonte sur scène absolument. Vous avez perdu des personnes que vous connaissiez dans les tours ? Dans les avions, il y avait 7 personnes dans les avions de la boîte qui sont morts. Mais bon, c'était... Bon, voilà. Comment vous en avez parlé, votre femme ? Votre femme, vous avez accompagné de France dans votre carrière de Wall Street ? Elle a tout vécu. Elle a vécu le moment où je voulais être acteur, le moment où j'ai fait Sciences Po, le moment où on est parti aux États-Unis et le moment où on est redevenu acteur. Donc, ça va. Non, c'est bien quand on a la chance de tout partager. Elle est toujours avec vous. Donc, elle est toujours avec vraiment, moi, mais on doit s'aimer un peu. Alors, oui, c'est ça. Ouais. Voilà, on va lui donner la parole dans quelques instants, mais on va voir d'abord comment vous avez commencé. Vous avez pris vos économies. Voilà, vous avez loué un théâtre ? Oui, en fait, voilà, j'ai loué le théâtre du gymnase où Ellie a joué. Et pour un soir, comme ça, j'ai organisé une grande soirée. J'avais plein de personnages qui étaient vraiment ressurgis de mon inconscient, ou toute cette entreprise, tout ce que j'ai vécu, tous ces séminaires, de tout comme ça. Vous avez invité 800 amis ? Voilà, 800 potes de potes. Je rencontrais les gens dans la rue, je leur dis « bon, allez, ce soir, on y va », etc. J'ai bourré le théâtre du gymnase, il y avait 750 personnes. Et j'ai fait un grand showcase. Vous étiez comment avant d'y aller ? Ben, j'étais complètement inconscient, quoi. C'était un saut complètement dément. Enfin, c'était quand on va faire un bide, convoquer 750 pour faire un bide, c'est quand même... C'était quand ? C'était fou. C'était quand ? Ah oui, pardon. Oui. C'était en décembre 2002. Ouais. Voilà. Et j'ai eu la chance qu'il y ait Samuel Le Bihan dans la salle, qui m'a dit, bon, ben, j'ai vu un acteur ce soir, j'ai pas vu un fiscaliste, donc... Ben moi, j'accepte de te produire et de t'ouvrir les portes un peu récalcitrantes. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé avec ses copains à lui, Eric Théobald, qu'il avait connu à la Comédie Française. Ça vous a aidé ensuite à pouvoir être là où vous êtes. Voilà, on a fait un spectacle. Ce soir-là, comme c'était un soir extrêmement particulier, je crois qu'il faut avoir un sacré courage pour faire une chose pareille. Ben oui, mais je n'avais pas le choix parce qu'il fallait que je revienne sur scène. C'était ma vie, quoi. Donc, revenir Non, aller sur scène. Oui, enfin, j'avais fait des cours de théâtre quand j'étais parallèlement à mes études. Non, mais 800 ou 750 personnes pour commencer, fois. C'est beaucoup. Oui, non, mais c'est vrai que maintenant qu'on en parle, je me dis, mais vraiment, faut être complètement fou. Qu'est-ce que t'en penses, Michel ? Faut y aller quand même dans la mise en pause. C'est exceptionnel, faut avoir la rage au cœur. Hein. Non, la rage au cœur et au ventre, hein. Mais c'est incroyable. Et puis moi, j'ai vu son spectacle et c'est une merveille. Ah oui. C'est une merveille, c'est un acteur prodigieux. Il a un univers... moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des fou rires comme ça. D'ailleurs, je l'ai gêné même. Parce que j'étais au troisième rang et que je pleurais de rire et je hurlais de rire. Donc c'est incroyable, c'est un phénomène ce garçon. C'est vrai, c'est un phénomène. Comment ils l'ont pris vos copains au cravate club que vous aviez laissé là-bas ? Ben, j'en ai perdu quelques-uns, je vous avoue. On ne parle pas de l'avion là cette fois. Hein. Oui. Non. Non, pardon. Il y en a qui ne vous ont pas suivi dans votre aventure, oui, qui vous ont pris pour un dingue. Donc,
Maintenant que ça commence, qu'il y a du monde dans la salle, là, les gens réagissent bizarrement. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde était content, il est un peu marginal, il se plante. Tu l'as vu, il y a 23 personnes dans la salle, hein, c'est pathétique. Alors là, ça allait. Maintenant qu'il y a du monde, que je fais des choses à la radio, à la télé, il a changé. Hein, non, il a changé, on le soutenait au début. Là, il a changé, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. On va regarder un extrait de ce spectacle. Vous êtes actuellement au Petit Montparnasse, dans un spectacle qui porte votre nom, Deux Maisons, et qui est en grande partie donc autobiographique. Bonjour et bienvenue à tous pour ce séminaire de réorientation professionnelle. On va essayer de se parler, on va essayer d'apprendre à se connaître pour avancer ensemble dans deux semaines l'autre. Oui, François, en face de moi, on t'écoute. On échange. Hein. New York. Ah ouais, non. Et le théâtre remonte à la surface. Bien sûr. Tu passes d'un 100 mètres carrés à Central Park à un studio à la Courneuve. Tu gagnais 1 million par an et tu veux écrire du théâtre. Je sais pas quoi te dire. Want to check ce qui est. Puis un matin par la fenêtre de mon bureau, that's it. Je vois deux tours, puis une. Plus rien. Ouais. Rien qu'une fumée noire qui monte vers le ciel. Qu'est-ce que je fais là? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Je descends dans la rue, je traverse New York en courant, les rues défilent. J'ai chaud dans mon costume italien. Mes chaussures anglaises me font mal. Je croise des personnes recouvertes de cendres. La foule panique. Des gens tombent. Je réalise que je suis devenu un type décalé et pas heureux qui vient à Disneyland. Au bout de mon cigare, il y a un pauvre con. Je veux plus perdre ma vie à gagner. Mais mon patron Jim Murphy ne partage pas du tout cette nouvelle philosophie. On t'a fait venir aux States parce qu'on avait besoin d'un crack. Pas d'un crack boursier. Je ne te paye pas pour que tu écrives des pièces de théâtre. Oui, j'ai regardé de ton ordinateur. Oui, j'ai regardé de ton computer. Oh, méchant, vilain, m'snooty, m'svadboy, m'snooty. Je vais tout essayer. Je me déjoins, je m'habille en bleu. Je vais dans une salle de boxe. Et bon, dis donc, t'es bon, chante, François. On dirait un Shadok. Hein? T'es nouveau? Ils sont déconnés. A fight? A fight? Elle est partie, en fait. On va aller à la merde, moi. François-Xavier de Maison, vous avez quel âge quand vous avez changé de carrière? Vous aviez quel âge? C'était il y a un an et demi, donc j'avais 30 ans, j'ai 32 ans, en fait. Quel regard vous portez sur l'ancien François-Xavier, vous? Je me demande comment j'ai pu supporter cette vie-là, quoi, parce que... Et votre femme vous a suivi, donc de Wall Street jusqu'à Paris. Elle est bien aimable. C'est qu'elle vous aime. C'est vous, mademoiselle? Oui. Ça vous fait quoi de voir sur scène maintenant, alors? Je suis très, très émue, mais ça ne m'étonne pas, parce que j'ai toujours cru en lui. Et je suis très heureuse de voir sur scène. Mais vous le sentiez malheureux avant, quand il était dans son autre vie? Je ne le sentais pas malheureux, mais je ne le sentais pas très, très épanoui. Il rentrait le soir, il était un peu, c'était le cadre un peu gris, triste... Mais quand il a pris le théâtre du gymnase, quand il a fait ce pari-là, vous l'avez encouragé, vous... Je l'ai encouragé. Vous n'avez jamais eu peur? Vous avez jamais dit... Si, j'ai eu peur. On va perdre tout ce qu'on a, on ne sait pas où on va. On s'est posé cette question-là, on s'est dit qu'on avait perdu tout ce qu'on avait, effectivement. Mais j'ai toujours cru en son talent, c'est vrai, honnêtement. Et j'étais sûre qu'il y arriverait, quoi. Chérie. Oui. Je te regarde, je te trouve bien. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Enfin, encore, oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé de mari? Non. Tout en gardant le même, quoi. Je mets un peu. Ce qui est l'avantage, c'est d'en avoir plusieurs, mais toujours le même, comme ça, on ne trompe personne. Ce qui a changé, c'est que maintenant, je dois le partager beaucoup, et ça, c'est un peu difficile. D'accord. De le partager. Oui. Tu m'étonnes. Vous le préférez à l'ancien? Ouais, oui, de loin. Qu'est-ce qui vous manque quand même de l'ancien? C'est ce côté-là, il était à moi et à moi toute seule, et je ne le partageais pas, et maintenant, tous ces fan club.
Un peu jalouse quand même. Hein. Un petit peu jalouse. Ouais. Ah, c'est une teigne. C'est une teigne, ah oui. Ouais. Merci Virginie. Merci. Anne, vous sentez une histoire commune avec François-Xavier? Oui, ça ressemble un peu. Enfin, c'est très touchant en plus, c'est mignon. C'est oui, l'amour. Parce que. Oui, c'est l'amour, c'est ça. On appelle ça comme ça. Oui, quand on n'est pas prévu pour faire ça, parce que moi je connaissais personne dans ce milieu. Là, vous bossiez quoi? Vous étiez journaliste économique au Revenu Français? Moi j'avais vous... même fait des. Même genre, moi j'avais fait Subdeco Paris, donc des études très sérieuses, machin. Ouais. J'étais partie pour faire du marketing. Et puis quand j'ai commencé à faire des stages, c'est là que je commençais à avoir un peu des tocs, des trucs, enfin, pas vraiment, mais où je me disais, mais ça va pas être possible, en fait. Je vais pas pouvoir faire ça, aller à la Défense, me mettre en tailleur tous les jours. Vous l'avez fait combien de temps? Bonjour. Oui, le dossier est là. Ouais. Je l'ai fait bien, hein, parce que. Ouais. Mais, combien de temps vous l'avez fait? Oh, je l'ai fait un an, puis après je suis rentrée au Revenu Français. Là, c'était du journalisme. Ben, je pensais que ça allait être délire, mais c'était quand même... Le Revenu Français. Voilà. Non, mais j'ai bien rigolé dans les bureaux. On a bien ri, mais c'est vrai que c'était très aussi... voilà, les cours de... Voilà, ah, vous aviez votre nom sur le bureau, vous aviez oui, votre ordinateur. Oui, ça, c'est bien, ça, c'est rassurant par rapport à la vie d'après. C'est-à-dire son nom sur la porte, un numéro de téléphone. Oui, c'est moi. Et donc, voilà. Mais quand même, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, c'était une vie tellement réglée, tellement... tellement la même, tellement... voilà. C'était, alors vous, c'était métro, boulot, poulet, dodo, c'est ça? Oui, parce qu'après, il fallait passer chez aux boucheries pour acheter son poulet, ouais, et puis sa boîte de petits pois, faire ouais. à manger. Parce que c'est ça, être une fille, en plus. Après, ouais. c'est la double peine. Et puis après, voilà. Donc, vous aviez quel âge, alors? Après, vous allez calculer. Non, d'accord. À peu non, près, non, j'avais, j'avais quoi? J'ai commencé au Revenu, j'avais 23 ans. Oui. Donc, voilà. Et un peu plus tard, donc vous vous êtes dit, c'est pas ma vie. Pourtant, vous aimiez bien vous déguiser. Là, vous étiez déguisée en quoi? En Wonder Woman? Oh, non, normal. J'étais, mais dans ce genre de, voilà, d'ambiance, dès qu'on met une écharpe rose, on a 10 réflexions par jour. Ah, t'as mis tes rideaux. Tiens, mais c'est pas possible. J'avais pas l'impression d'être une folle, en plus. Donc voilà, et au bout d'un moment, puis j'envoyais des lettres, je continuais à envoyer des lettres de motivation à la télé. Un peu, j'étais là, oui, bonjour, diplômée de Subdeco Paris. Enfin, je savais pas trop comment rentrer, en fait. Donc, puis un jour, voilà, je me suis dit. Bah tiens, je vais tenter ma chance. La météo de Canal. Vous voilà. avez postulé pour la météo de Canal. Alors là, vous étiez en compétition avec des super gonzesses. Ben oui, il y avait un peu des. Je me sentais vraiment là. C'était. Je me sentais vraiment outsider total. Ouais. Oui, il y avait du mannequin. Vous êtes jolie comme tout. Hein, Non, mais elle était dans une mais autre tout ambiance. Est quand même relatif dans voilà. ce jeu. Enfin, qu'est-ce qu'elle est lui? Elle est très jolie. Elle est très jolie. Ouais, non, mais il y avait beaucoup mieux. Hein. Il y avait du mannequin, de la comédienne. Et voilà, donc, puis ça a marché contre toute attente. Ça m'a donné un énorme espoir dans la vie, par contre. Je me suis dit, en fait, ça, on peut arriver à infléchir un peu sa destinée. Et ça, c'était... Non, mais c'est super. Non, mais Et quelles étaient les réflexions des collègues, des anciens collègues de bureau, François-Xavier parlait bah, de... Ils trouvaient ça un peu hallucinant. Ils se disaient, tu es journaliste au Revenu Français, tu vas faire la météo à 4. J'étais en CDI, à l'époque, ça comptait. Tu vas faire la chaîne de ma grand-mère qui regardait Nicolas Perrac à la télévision, qui avait dit qu'il avait fait 6 ans de médecine et qu'il était ensuite devenu chanteur. Et à l'époque, c'était mon père, c'était un triomphe. Ma grand-mère disait, le pauvre, ses parents... Mais oui, c'est ça. Mais les parents, après, effectivement, sont fiers quand ça marche, mais sont plus inquiets, quand même. Parce que ça marche jusqu'à quand? C'est toujours pareil. Au début, moi, je suis rentrée à Canal, c'était pour 3 mois, jusqu'en décembre. Donc, vous avez fait quoi au casting de Miss Météo? J'ai fait quoi? Mais il fallait faire une vraie météo. Enfin, beau. Oh là, il fait moins beau. Et puis après, il fallait faire ce qu'on voulait. J'avais écrit un poème pour Evelyne Delia, parce que c'était un peu la... Je me souviens plus. J'avais fait un truc qui rimait, c'était un peu une ode. Oui, en fait. Une ode à Evelyne. Voilà, et ça les a fait rigoler. C'est tout... Et puis après. Après les déguisements, alors vous êtes passé par. Ben après, en fait, Stéphane je me disais, vous a parlé de son orang-outan et de Spider-Man, non, mais... vous n'avez pas été loin que... Oui, c'est pas loin, non, c'est vrai. Parce que je me disais, c'est incroyable de gagner sa vie en plus. Très bien à Canal, hein, Jean-Luc à l'époque. Oui, c'est vrai, ça je vous confirme. Franchement, en faisant ça, c'est-à-dire. Après, on gagne bien notre vie. Hein, non, mais c'est vrai, en disant voilà, lundi, je serai en Maya. Mardi par Maya l'abeille, mardi ce sera les drôles de dames, mercredi je veux un poney et on gagne sa vie en faisant ça. Et on vient et voilà, là on est habillé en flic par exemple, on fait ah il va faire beau, c'est ridicule et on gagne sa vie. C'était tous les jours la météo, vos parents vous faisaient des remarques à chaque fois? Ils la regardaient, ils vous surveillaient? Bah ils faisaient des remarques, oui si ils regardaient, ils comprenaient pas très bien, je disais c'est quand même une chaîne, ils sont un peu voilà. Mais ils savaient qui était leur fille quand ils tombent sur votre message de répondeur par exemple? Qu'est-ce qu'il a mon message? Bon on va l'écouter tiens. Non, mais non. Every little thing on a fan to you, hang up. Madonna. Cause I don't need no band. Allez, danse. On n'a pas pris ceux des autres, c'est celle qui nous a fait marrer. Non, non.
Non, mais il savait, parce que moi j'ai toujours, moi j'ai peur de tout, la vie me panique et finit très très mal, hein, tout, la vie. Pour tous. Pour tout le monde, donc tout me fait peur, depuis que j'ai un enfant j'ai peur pour elle, j'ai plus du tout peur pour moi, tout me panique, un enfant, vous vous rendez compte, la drogue, l'anorexie, les mauvaises fréquentations, les mauvaises notes, ça me panique, donc je veux rire. Voilà, c'est comme une fuite un peu en avant. Il n'y a aucun effet secondaire. Donc, il savait bien. Moi, j'ai toujours, imité mes profs, on va dire, comme si c'était extraordinaire. Tout le monde le fait. Mais j'ai toujours voulu rire. Voilà, c'est alors là, vous allez jouer sur scène. C'est la première fois. C'est paniquant aussi. Avec trois autres filles, vous êtes quatre filles. Oui, exactement. Mais c'est effectivement exactement ce que disait Michel. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, mais pourquoi je fais ça? C'est-à-dire, je vais me dire la même chose le soir, hein, devant le rideau fermé, je pense. C'est-à-dire, pourquoi je ne fais pas un petit travail, comme j'avais dit, à une la petite pause, analyse, bien un petit travail avec mon nom sur la porte, comme c'était prévu au départ, ouais. Parce que c'est paniquant, mais forcément... Alors, qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller? Ben, je ne sais pas, je dois avoir besoin de me montrer ma face, je ne sais pas ce que j'ai. Non, c'est un besoin d'être reconnu, je crois, voilà, de se dire que... Un petit conseil à donner à Anne, avant de monter sur scène pour son premier spectacle. Mais aucun. Ça ne sert à strictement même pas, à rien. Démerde-toi, amuse-toi bien. Oui, non, mais elle va se démerder très bien, elle va s'amuser, elle va découvrir des choses. C'est, de quoi ça justement, parle? Justement, c'est... Ça parle, c'est quatre filles, vous les voyez là. Voilà, il y en a une qui se marie, vous voyez, c'est celle qui a le voile. Et en fait, c'est quatre copines qui vont discuter ensemble. C'est la veille de son mariage et elle veut plus se marier. On va comprendre pourquoi. Si je dis pourquoi après, ça d'accord. craint. Parce alors, que... on est venu pour vous proposer ce rôle et qu'est-ce qui fait que vous l'avez accepté? De ouf. Parce que j'avais envie de faire ça, parce que c'était comme une suite logique. Enfin, la télé, moi, j'ai adoré faire ça. Il se trouve que depuis Canal, effectivement, il n'y a rien eu qui me surexcitait en télé. Voilà. Donc, je me suis dit, essaye de faire ça. De toute façon, qu'est-ce que tu risques après? Au pire, tu retourneras. Chiron Poulenc, mais non, j'aimerais pas. Mais, voilà, j'écris aussi. C'est une mise en scène de Philippe Lelouch. Voilà, il faut avancer. Et la scène, c'est pour quand? Jamais, j'espère, vu les angoisses que ça a l'air de procurer. Non, moi, j'ai la chance de faire un métier. A priori, tout le monde dit qu'il fait le plus beau métier du monde, mais moi, je le pense aussi parce que justement, moi, le but du jeu, c'est de. À la rigueur, mettre en valeur les autres qui me font rire. Alors moi, je vais vers des émissions et des chaînes comme Comédie ou comme même ce que je fais sur Canal le matin où je vais vers les gens. Et moi, je suis là pour rigoler avec eux. Mais moi, je n'ai pas de pression de « tiens, il faut que je fasse rire ». Et ça, c'est juste sublime. C'est-à-dire que j'arrive et j'invite Cad et Olivier, qui vont venir certainement très bientôt, avec Comédie Simoun. Mais voilà, non, on reçoit Bigard. Voilà, tu vois, très bien, il le place bien. Oui. Non, mais j'invite des gens drôles. Et puis moi, je suis là pour me marrer avec eux, à la rigueur pour leur tendre une petite perche, mais surtout, et justement, ne jamais essayer de briller plus qu'un humoriste. Ce n'est pas mon métier et donc c'est juste génial. Le rire, c'est thérapeutique, vous le sentez chez les autres, non? Que ça fait vraiment du bien quand on dit une minute de rire, ça équivaut à une demi-heure de relaxation. C'est prouvé scientifiquement, c'est formidable ça. Ouais, on devrait être remboursé par la sécu. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens souvent, ils disent vous encore, donnez beaucoup c'est... de bonheur, hein, voyez. Ils disent vous donnez du bonheur, c'est-à-dire que parce qu'il y a un truc dont Stéphane a parlé, il parlait de l'amour, d'être aimé. Mais on s'en fout de mes godasses. Non, mais être aimé en fait et se faire aimer, et il y a un truc avec l'amour, c'est-à-dire que le rire, c'est une façon de dévier plein de trucs, de parler de choses de façon complètement dérisoire, mais il y a un truc qui passe, qui fait que, par exemple, moi j'ai des copains malades. Par exemple, hein. Bon, quelqu'un qui a le sida, par exemple, on va le voir, il n'est pas bien. Non, mais en plus, je rigolons. Copains, ouais. Et ben, moi, j'ai une copine qui est handicapée, qui est sur un fauteuil, il n'y a que son visage qui bouge. Et ben, le seul moment quand on se voit, il n'y a qu'un truc qu'on fait vraiment bien, c'est qu'on se fait rigoler, quoi. Parce qu'à un moment donné, quand les gens sont proches de la mort ou qui vivent des trucs, il n'y a que ça, non, mais sérieusement, il n'y a que ça qui est, il n'y a que ça d'urgent, en fait, de rire. Moi, je trouve ça génial ce que tu as fait, franchement, à 30 berges, comme ça, changer de vie, partir avec ta femme qui. Attends, je trouve ça super, mais il y a une espèce d'urgence. Elle est un peu inquiète, hein, quand même. Hein. Moi, je trouve que le rire, il y a une espèce d'urgence de partager un truc qui est alors, faux. Je vais montrer quelque chose, j'aimerais bien savoir comment vous allez réagir. Donc, il s'agit en fait du yoga du rire. Vous connaissez le yoga du rire? C'est sérieux, ça existe. Donc, c'est des gens qui cherchent justement le côté thérapeutique du rire et donc rient, mais de rien. Rient pour rire, parce qu'il paraît que. Si on rit même quand c'est pas drôle, c'est-à-dire que si on se force à rire, ça fait du bien quand même. Ça remplace les... Ça remet les organes dans le bon sens. Les bonnes énergies dans le bon sens. Rire, c'est quand on rigole et on n'est pas supposé rigoler. Ah, ça, c'est des fous rires. Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est une découverte donc, par Olivier Dorin. Je vous ai coupé le sifflet. Non, pardon, excusez-moi Stéphane. Je ne souhaitais pas. Une découverte par Olivier Dorin et Shirley Kleinman. On en reparle juste après, regardez. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, le rire du bonjour.
La science est formelle, rire fait beaucoup de bien et active les zones de plaisir du cerveau. La recette fonctionne aussi bien lorsque l'on rit spontanément que lorsque l'on se force à rire. C'est en partant de ce constat que sont nées les séances de yoga du rire. On se réunit, comme ici au club du rire de Mâcon, pour rigoler ensemble et sans raison. C'est excellent. Je baille. Je me détends. Ça permet de, d'éjecter tout ce qu'on a en nous et de partager beaucoup de bonheur ensemble. Et voilà. Et comme toute gymnastique, le yoga du rire a ses figures imposées. Le cocktail ? Le rire de l'haltérophile ? Il y a aussi le rire de la tondeuse, celui de la soupe piquante ou de l'éléphant. Un seul but dans tous ces exercices, retrouver notre capacité à rire comme les enfants. Car si les enfants rient 400 fois par jour, devenus adultes, nous ne rions plus que 20 petites fois dans une journée. C'est bien peu, surtout quand on connaît les bénéfices du rire pour le corps. Rire masse le diaphragme et va libérer toutes les zones de tension qui se logent à cet endroit, qui sont logées à cet endroit. Donc toutes les maladies liées au stress, tous les soucis liés au stress vont pouvoir être soulagés. Le tout aussi, c'est de venir non pas en spectateur, mais de venir en étant acteur dès le départ. Si on rentre en tant que spectateur, on se dit qu'est-ce que c'est que cette bande de débiles? Franchement, mais si vous participez, vous faites du bien. Moi, je trouve que ça repose le visage, ça repose tout. Ça fait du bien à tout. Tout le monde devrait se marrer. Moi, une fois, tu vois, je souffrais de partout, partout. Et je me suis... Bon, je peux me le permettre, dans ma maison où j'habite, il n'y a personne autour. Je me suis fait une petite séance de rire, toute seule. Et bien, c'était l'équivalent d'un aspirine. C'était pour des respirations, et puis le rire, il se déclenche. Je vais faire toute seule, je n'ai pas pensé. Tu te fais prendre ta glace, et puis voilà. Oui. Voilà. Quand j'ai... Non, mais c'est pas... Ça va marcher, hein. Jeanne-Marie qui est avec nous. Où est-ce que vous êtes, Jeanne-Marie? Jeanne-Marie, où êtes-vous? Oui, je suis là. Bonjour. Pardon, c'est juste en face de moi. C'est un peu le cas de tout le monde. D'ailleurs. Jeanne-Marie, vous êtes la meneuse de ce groupe de rire. Oui. Il y a 80 groupes comme ça qui existent en France. En France, oui, c'est ça. Depuis combien de temps ça existe? Ça a été créé en 1995 par un médecin, le docteur Kataria. Et c'est une méthode très simple, accessible à tous. Et c'est un grand bonheur de mettre cet outil à disposition. On a vu que... Comment ? J'ai voulu nous mettre au chômage ou quoi ? Non, parce que c'est du rire sans raison. C'est dur à faire, hein ? Il n'y a pas des personnes qui bloquent Il n'y a pas des personnes qui bloquent parce qu'il faut y aller de soi-même quand même. Non, mais qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à rire comme oui, ça spontanément. Oui, il faut quelques séances. Au départ, bon, on est tous plus ou moins serrés, plus ou moins fermés, plus ou moins en tension au niveau du plexus solaire. Et au fur et à mesure... Vous pouvez essayer de le faire sur nos invités, de venez nous rejoindre pour nous montrer comment vous faites. Prenez votre micro. Prenez votre micro. Allez, vous faire du bien, on est tous en famille. Allez. Oui, Clémentine. Alors. J'ai besoin des deux mains. Ah d'accord, voilà comment on va faire. Je vais tenir votre micro, mais ça va peut-être vous déranger. Non, d'accord, très bien, d'accord. Alors, si vous êtes tous d'accord, on peut être assis, on peut être debout, puisque ça se fait aussi dans les maisons de retraite, dans les maisons pour handicapés, dans les prisons. Donc, l'échauffement. On va commencer par un échauffement, tout simplement. Je vous invite à... C'était une parenthèse. Et pas que vous venez à certains spectacles d'Élie en... Oh
Bon, allez. Vous laissez pas démonter. Donc, au yoga du rire, on ne rit pas des autres, on rit avec les autres. Évidemment. Tout simplement. Ça, c'est pour toi, Akad. C'est pour toi, Akad. Spécial dédicace. Bonne répartie. Et donc. Allez, Jeanne-Marie. Vous êtes prête? Alors, échauffement, tout simplement. Ho, ho, ha, ha, ha. Où vous là pour ce bébé? Où là? Ok. On va faire le rire du milkshake. On a deux verres, on va mélanger. Si, non, ta mère ne veut pas participer. Il a le droit. Ta mère, vous êtes. Là, on vous sent en fait de résistance. Il a le droit, c'est une méthode qui ne convient pas à tout le monde. Ah, donc chacun c'est bien est le préciser, libre. D'accord. Le milkshake, on mélange deux verres et. Encore. C'est quoi? Non, mais ça nous fait mal. Donne-moi ton libre! C'est la secte. Non, il n'y a rien qui te perd. Non. Comment je fait... suis bénévole, hein. Je m'excuse. Mais... Non, mais. C'est des petits provocateurs. Oui. Je suis sûr qu'il y a une pointe de jalousie parce que vous faites rire avec. Non. Mais de leur part à eux, pas de la vôtre. Mais non, il n'y a pas lieu. Ah, bah, d'accord, très bien. Vous avez une de vos élèves qui est avec nous ici, Sylvie. C'est Sylvie, c'est ça? Vous avez un micro, Sylvie? Non, mais. Oui, j'ai un micro. Oui, ça y est. Sylvie, comment vous. Excusez-moi. Comment vous avez. J'imagine demain dans la rue. Non, mais moi j'aime bien. Écoutez, moi ça me fait rire, je me sens bien. De là à là, peut-être. Comment vous avez découvert ça, Sylvie, vous? Alors, moi j'ai découvert ça en me rendant dans une association, puisque j'étais seule dans la ville de Mâcon pendant 2 ans, donc je m'ennuyais. Donc je suis allée à Mâcon Évasion, et là on m'a proposé cette activité. Donc je suis allée voir un dimanche, j'ai testé. Alors, on n'a pas le droit d'être spectateur. Ça, bon, vous l'avez vu dans le reportage. Il faut participer. On a l'air ridicule, la preuve, ce soir, on se moque de nous. Non, madame, en fait, non. C'est, on se moque gentiment. Oh, oh. Ça, c'est qu'un échauffement. C'est super sympa. Et c'est un super jingle, ça. Vous mettez ça sur votre répondeur à l'association. Une nouvelle idée pour Anne. Vous allez avoir un million d'adhérents, je vous jure. C'est vrai qu'on a l'air un peu ridicule avec ça. Non, mais c'est un échauffement. Ensuite, on a des exercices. Mais Sylvie, dès la première fois, vous êtes bien sentie? Au début, ça fait un peu bizarre, parce qu'on est une bande de ouf, là, comme ça, se retrouver à faire nos exercices. C'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne, il faut le reconnaître. Après, on le fait. Mais ces exercices, en fait, apportent en nous un bien-être. Et ce bien-être intérieur, on l'a. En fait, on évacue, ça nous lave de l'intérieur. Pour moi, ça me remplace un footing, ou alors, par exemple, le yoga. Moi, le yoga... Je ne suis pas capable de me poser, de me relaxer, de me détendre. Est-ce qu'on peut essayer de faire la même chose dans les rapports sexuels? Tandis qu'en jetant... En jetant mon rire, enfin, en faisant nos exercices qui ne sont pas de véritables rires, en fait. C'est un faux rire, artificiel, qui nous apporte autant de bien-être qu'un véritable rire, que le rire que nous apporteront les humoristes. Est-ce qu'on arrive parfois jusqu'au fou rire, qui est un peu... À la fin. À la fin, bah, voilà. À la fin, lors de la méditation donc la comparaison du rire. Tient. Parce qu'on est excité, en quelque sorte. C'est ça, imaginez, la comparaison tient toujours. Comme une bouteille de champagne. D'accord. On s'est bien secoué tous les muscles qui sont à l'intérieur. Et tac, l'orgasme. Et schlac, on ouvre la bouteille, ça pète. Et là, on a le vrai rire qui sort. Et on se sent bien, on dégage, on... Mais c'est vrai que vous avez l'air de vous sentir bien. On se sent bien, vous avez l'air je me de vous sens très bien. Ouais. Vous pratiquez combien de fois par semaine, personnellement? Une fois par semaine. Ah oui, c'est moins que la moyenne des Français. Les Français, c'est... Mais bon, on rit trois quarts d'heure. Ah oui. Hein, bon, c'est pas tout le monde. Et vous sentez comment, ensuite? Vidé. Ah oui, vidé. Vidé, lavé, bien. Bien dans ma peau. Déstressé, détendu, quoi. Bon, c'est comme si j'avais fait un footing. Oui. Non, moi, je vous aimais quand même bien quand vous étiez à l'époque avec Chardin. Je trouvais comme si c'est Cannes et Olivier. Hein. Bon, chacun son humour. Je
Je crois que monsieur n'a rien compris au système du yoga du rire. Ces images-là, hein. Et vous savez ce qui serait bien, en fait. Ce qui aurait été mieux, c'est, enfin, comme j'ai dit dans l'interview, c'est à eux de venir sur scène et de le faire, de faire les exercices. À montrer, franchement, ça ne donne rien. C'est à vivre. Ah bah moi je trouve que si, on le sent bien là. Un dernier exercice avant de retrouver votre place. Alors. Le shaker, vous l'avez fait. Le shaker, on l'a fait. L'haltérophile, on l'a fait dans le l'a vu. On va faire le bonjour. Le bonjour. L'épaulé jeté de rire. L'épaulé jeté. Ah. Ah. Comme ça. J'ai du mal à décoller. Non, mais je mange le traitement. Merci beaucoup, Jeanne-Marie. Merci. C'est très bien ce que vous faites. Ça touche beaucoup de gens. Ça touche beaucoup de gens. Ça t'a plu, Olivier, hein? Ça t'a plu? C'est ça, très drôle. En plus, c'est en pleine. Vous pensez à un nouveau spectacle? Ça vous donne des idées, là? Oui, on est en train d'écrire avec Cad un nouveau spectacle. Donc, on en est juste là pour l'instant à noter les idées. Mais oui, on commence là. Mais voilà. Ça fait 13 ans que vous êtes ensemble maintenant. Hein. Comment vous êtes rencontrés? Non, plus. Plus 15, que ça? 15, 16 ans. 15, 16 ans. Comment vous êtes rencontrés? Un tournée manège, 82. Ouais. Parce que moi, je m'appelais Evelyne avant. C'est Parfaitman. Il est parfois Dropman. Il y en a des bas. Non. Mais moi, j'ai bossé 3 ans avec eux, ils n'arrêtaient jamais. Ah, plus, les jouets que vous avez vus tout à l'heure dans le truc, il y en avait plein à leur bureau. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Ah putain, c'est à nous là un peu. Ouais. Bon. Ouais. On s'est rencontrés à la radio. Mais qu'est-ce qui vous a fait vous dire que vous étiez fait l'un pour l'autre et que vous aviez un bout de chemin à faire ensemble? Tout de suite. Ça peut être possible. Mais je crois que c'est ça peut être possible. Non, attends. C'est la différence. C'est la différence. Il est noir, je suis blanc. Voilà. C'est le côté Ebony and Ivory. Ebony and Ivory. Elton John, 88. Non, on a tout de suite déconné. On est tout de suite au même niveau de vous, on avait le même sens de l'humour et les mêmes choses vous faisaient rire. Donc on est très potache, très gamin, très con. Ben voilà quoi. Notre quotidien. On va vous retrouver donc dans Un ticket pour l'espace, qui est votre nouvelle comédie. Ouais. C'est pour le mois de janvier, ça. Comédie d'action avec André Dussolier, Marina Foïs et Guillaume Canet. Et d'autres. Et nous-mêmes. Et d'autres. Et plein d'autres. Pef, Pierre. Plein de gens. Comédiens, on est très contents de et ce film. Et Paul Simon. Voilà. Mais comme toujours. Comme pour une prochaine fois. Je suis dans aucun de vos films. Peut-être le troisième. Peut-être le troisième. On est sûr. Ça te plairait? Ça te plairait de jouer avec eux? Ah oui, bien sûr. On a joué ensemble. On a joué ensemble un petit peu dans une série qui était produite par Jean-Luc à l'époque, qui s'appelait Les 30 dernières minutes. C'était venu par les clowns. Tu te rappelles cette série? Elle était top. C'était vachement bien. Et parlons du ticket pour l'espace. Un ticket pour l'espace, un extrait. C'est la période promo. Oui, bonjour, c'est Stéphane Cardo à l'appareil. Pardon de vous déranger, je vous appelle pour le casting du film que vous allez faire, Charlemagne contre les ninjas. Je voulais savoir si j'avais été pris, s'il vous plaît. Ah non, c'est pas vous. Ah bon? Je suis désolée, hein. Non, c'est dommage parce que j'avais commencé à apprendre à jongler. Stéphane Cardo ne jouera pas dans Charlemagne contre les ninjas. Mais il sera l'acteur de l'une des plus grandes aventures de notre temps. Un voyage dans l'espace. Ah ouais, quand même. Quoi? C'est plus grand que je pensais, la Corse. C'est l'Afrique. C'est vous qui l'avez écrit? Je l'ai rappelé. Comment vous écrivez tous les deux encore aujourd'hui? La question à chaque fois, putain. Ouais, mais c'est à chaque fois. Elle est dure pour toi parce que c'est lui qui fait tout, non? Non. Ah, t'aimerais bien ça. Hein. Non, t'aimerais bien que je foute rien. En fait. Non, mais c'est vrai que pour être sérieux, 2 minutes, parenthèse man. Non, mais disons qu'Olivier est plutôt posé derrière son petit ordinateur avec ses petites mains comme ça, il tape comme ça. Et moi, je vais au resto, je vais bouger. ce qui est faux, bien sûr. Ce qui est faux. Non, mais toi, tu les fais vivre. Non, mais en même temps.
c'est vrai que souvent dans notre association, souvent Olivier a les idées, a la construction. Et moi, je suis super client et je m'efforce après de rebondir et de voilà. Souvent, je suis plus un déclencheur, on va dire. Voilà. Mais c'est pas lui, il se minimise un peu son boulot, mais voilà, il est là quand il faut travailler. Non, il est là. Je minimise pas. C'est pas ce que je voulais dire. Non, non. C'était une parenthèse. Non, mais c'est un travail à deux, parfois à trois. C'est aussi, tu vois, on a. On l'écrit avec Julien Rapneau, le fils d'Ariel Zetoun, qui est grand réalisateur et qui écrit avec nous, comme Pamela Rose d'ailleurs, et qui sera avec nous sans doute sur le prochain aussi. Ouais. Avec Elie Simone. Peut-être. Merci Jean-Luc. Peut-être. Pourquoi c'est mon agent. Oui, non, mais pourquoi pas que vous ayez un peu de succès de temps en temps. Enfin. Qu'est-ce que tu allais ? Ouais, autant. Une parenthèse. Autant que des films. Ouais. Il a dit pour que vous ayez un peu de succès de temps en temps. C'est ouais. Non, mais, parenthèse. Ouais, on a le succès qu'on mérite. Voilà. Boris Vian. Non mais ça me fait un enchaînement en plus, j'ai me jeté dessus parce qu'on va recevoir le monsieur qui vient des. Qui, non, malheureusement. Et pourtant, il était drôle, en plus d'avoir bien joué du jazz. Un homme qui est psychiatre et docteur en philosophie. Peut-être qu'un jour vous figurerez dans un de ses bouquins. Il vient d'écrire aux éditions de Santé, ça prouve bien que les vertus thérapeutiques du rire, l'anthologie du rire. Je vous demande d'accueillir Serge Tribolet. Venez, Serge, je vais vous accueillir. Tiens, celui. Là, c'est une anthologie, hein. Tiens. C'est une anthologie, j'espère qu'il y en a pour tout le monde. Non, mais que vous. Un pour deux, là, ça ira. Pardon, désolé, Cam. Parce que j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez, je vais voir. Mais. Tenez, c'est l'anthologie du rire, vous serez sans doute peut-être un jour dedans, Clémentine. Merci. Allez savoir, Stéphane. Merci. Anthologie du rire. Temer, hop là. François-Xavier, pardon. À vous. Cam, il en reste un. Hop là. Voyez-vous. Partez pas. Oui. Est-ce qu'il y a certains de nos invités qui figurent dans votre anthologie? Non, parce que. Bon, on va y aller, nous. Parce que. Non. Je ne laisserai pas faire ça. Non, j'ai trop de respect pour vous, Serge, et trop de respect pour les livres également. Vous allez reprendre ça immédiatement. C'est un geste que vous regrettez, je sais. Vous avez grand cœur. Merci. Mais non, mais faut bien. C'est le 28. Ça va donner l'inspiration. On a le droit le 28, il paraît. Vous remontez à quand? Vous remontez à quand? Jean-Luc, page 49. Oui. Ho, 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 ha, ha. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer dans cette anthologie du rire? En fait, c'est une anthologie, c'est l'aspect philosophique, et parce que le rire, en fin de compte, ça concerne les philosophes, depuis Aristote jusqu'à Bergson, on parle du rire. C'est qui le premier qui fait rire? Le premier qui a fait rire, le premier humoriste, c'est peut-être Dieu, on ne sait pas, mais en tout cas, dès l'Antiquité grecque, il y a les premiers humoristes véritables, Aristophane, par exemple, tout le théâtre d'Aristophane, c'est le théâtre d'aujourd'hui, enfin, Molière a repris cette veine. En revanche, dans notre religion à nous, ça a été plus difficile d'accepter de rire, on a vu les rois maudits récemment sur France 2, à l'époque des rois maudits, ça rigolait pas. Ah non, ça rigolait pas du tout. C'est vrai que si c'est chez les Grecs, on riait énormément, et même les dieux riaient, à partir du Moyen-Âge, je pense que beaucoup ici seraient passés sur le bûcher de l'Inquisition, parce qu'on ne riait pas, les pères de l'Église interdisaient. C'était interdit de rire. Ils blâmaient le rire, et d'ailleurs, Saint-Augustin blâmait ceux qui allaient dans les salles de théâtre. Et pourquoi? Parce que le rire, c'est le doute. Et rire, c'est rire de soi, c'est rire de la créature de Dieu. Et donc, c'est rire de Dieu, c'est mettre en danger le pouvoir religieux. Ouais. Vous savez, le film, enfin, le livre de Umberto Eco, Le nom de la rose, qui a été repris par Jean-Jacques Hano, c'est le fameux manuscrit empoisonné. C'est le manuscrit d'Aristote sur le rire, justement. Parce que ce manuscrit, on ne l'a jamais trouvé. Aristote parle de la tragédie. Il dit, à un moment donné, nous allons parler du rire. Et puis, on n'a pas retrouvé ce passage. Et on pense, enfin, c'est la supposition de Umberto Eco, que ce passage a été censuré. C'était le souffle du diable, on disait. Oui, le rire diabolique. Il n'y a pas de comique dans les dictatures. Le rire est un souffle diabolique. Il n'y a pas de comique, non. Ouais. En quelle année Charlie Chaplin a fait le dictateur, justement, au début de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, deuxième. 1940. Alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur le changement du rire avec les différentes guerres. On a bien vu après la Première Guerre mondiale, c'est le surréalisme, la naissance du surréalisme. Le dada, ouais, le surréalisme. Voilà, dadaïsme, etc. C'est-à-dire le non-sens. Après l'indicible de la Deuxième Guerre mondiale, on voit arriver le théâtre de l'absurde. Que dire de tout ça? Que dire de l'homme? C'est Ionesco, c'est Beckett, enfin, et on voit évoluer le rire comme ça en fonction des époques. Le rire, dans le fond, c'est l'histoire de l'humanité. Et la place du fou du roi, elle a été prise à partir de en quel siècle? Oui, alors c'est après le Moyen-Âge. Fin du Moyen-Âge, déjà ouais. Au Moyen-Âge, et puis pendant donc, Renaissance déjà. Renaissance, voilà. Joyeux. Toutes les cours d'Europe avaient un roi, il y avait un fou et du avait roi, un fou avec, et même le pape avait un fou. Et bien sûr, ah, ça a changé. Oui, on connaît bien le fou du roi de Louis XII, de François Ier, d'ailleurs qui assistait au Conseil des ministres. C'est comme si aujourd'hui, à côté du président de la République, il avait son fou à côté. Il s'appelle comment, François-Xavier?
Nicolas. Vous remontez en 1508. Voilà. Et Erasme, dans son éloge de la folie, pour que véritablement explose le rire en France. La France est partagée entre catholiques et huguenots. Et là, tout d'un coup, la renaissance du rire et le rire est accepté à nouveau. Oui, voilà. La renaissance, c'est ça aussi, c'est revivre après la chape de plomb du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, les humoristes, pour vous, ils tiennent quelle place dans la société? Alors, ils tiennent une place très particulière. Je pense que on a vu dans les médias, par exemple, puisque les humoristes passent par les médias d'abord, pour se faire connaître ensuite dans les salles. Je pense qu'il y a d'abord eu, au début de la télé, par exemple, on a vu la place des intellectuels, les philosophes venaient parler, ils n'ont plus cette place. Cadre. Dans le cas, t'es lourd. Non, mais j'ai oublié de l'éteindre, excusez-moi, bah, monsieur. Monsieur. C'était qui? Serge. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. On parlait de la place aujourd'hui des humoristes. Oui, la place des humoristes. Donc la place des humoristes, elle est là pour justement nommer le symptôme, ce que ne font plus les intellectuels, parce qu'ils sont totalement muets aujourd'hui. Pardon. Non, tu parlais de gêne au début quand on voit avec le généticien. Oui. Oui, les humoristes montrent du doigt là où ça fait mal, d'ailleurs, souvent. Oui. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. On ne va pas faire un sketch sur un anniversaire qui se passe bien. Hein. C'est ça. Oui, les trains qui arrivent à l'heure. On le déforme. Mais c'est aussi un miroir. C'est aussi un miroir, l'humour. Les petites annonces d'Elysée Moon, c'est un miroir. Tout le monde se voit et on voit à quel point on est moche. Hein, parce que, et c'est ça qui fait mal aussi. Vous dites qu'Elysée Moon, c'est un condensé de sociologie, ce garçon. Un condensé de sociologie, ça, je trouve ça formidable. Je pense que Coluche avait lancé l'affaire déjà en pointant. Enfin, je pense que tous les humoristes, d'ailleurs, si. Mais enfin, avec Coluche, il y a quand même eu un passage étonnant. On est passé de Fernand Reynaud à Coluche. Enfin, il y a eu un choc, là. Et c'était quoi le grand changement? Parce que je pense que Coluche, c'est une synthèse à lui tout seul. Il a pris du tendre de Bourville, de l'amoureux. Il a pris de l'insolent des chansonniers. Il a pris un peu à tout le monde. Il a pris un peu du paillard, là, du gaulois, avec mes jeux grossiers mais jamais vulgaires. Et il en a fait un personnage à part. À l'époque, on disait vulgaire, d'ailleurs. Hein. Oui, parce que ça a choqué au début, mais avec du recul, on s'aperçoit à quel point ça ne l'est pas. Oui, un gros mot est grossier. Par contre, discuter l'addition au restaurant, ça, c'est vulgaire. C'est vulgaire, ouais. Exactement. On va voir si vous connaissez bien vos classiques. On a quelques phrases qu'on a préparées. Vous allez nous dire de qui elles sont. Oh. Allons-y. Alors. J'en connais qui serait capable de tuer pour avoir le prix Nobel de la paix. Jean-Yann. Hein. Jean-Yann. Moi, je dirais Jean-Yann. C'est une bonne réponse. Ouais. Applaudissements pour nos invités. Suivant. Ah, ça, je sais qui c'est. Ah, oui. Tomer. Racontez-nous, Tomer. Vous êtes juif et arabe? Vous voulez quoi, que je vous fasse ce sketch? Ouais, c'est bien. Ouais, je suis juif et arabe. Ouais. À mon avis, mes parents m'ont uniquement pour me faire chier. Je suis juif et arabe. Je sais pas si vous imaginez le nombre d'ennemis que je peux avoir sur Terre. C'est le nombre de personnes qui me détestent sans même me connaître. En plus, c'est pas facile d'être juif et arabe parce que 50% arabe pour un juif, c'est de toute façon déjà trop. Et 1% juif pour un arabe, c'est juste impensable. Que des problèmes. Là, mes parents voulaient m'appeler Shlomo Ben Youssouf. Les deux familles n'étaient pas d'accord. Finalement, c'est l'ONU qui a décidé. Non, c'est pas facile d'être juif et arabe. Surtout en France. Parce que moi, à chaque fois que je passe une soirée avec des copains et qu'ils commencent à raconter des blagues, putain, il y a deux blagues sur trois qui me font pas rire. C'est quoi la troisième? Encore, j'ai eu de la chance, j'aurais pu être blonde. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est très bien. Bravo, Tomer. Applaudissements pour Tomer. Suivant, s'il vous plaît. Woody Allen. Ce n'est pas que j'ai peur de mourir, je vais juste pas être là quand ça arrivera. C'est Woody Allen. Suivante. Pas être un Romanov. Fait de sortir avec une petite, ça m'aide à comprendre. Ça, c'est Moon, ça. C'est moi. C'est un sketch, hein. Merci. Arrêtez de fumer brusquement pour provoquer des troubles de la perception. Par exemple, aux États-Unis, ils ont voté Bush. Ça, c'est Cadet Olivier, ça. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo. À la télé, jusqu'à 50 ans, on fait des émissions, après on fait des archives. Guy Bedos, bonne réponse d'Elysée Moon. C'est le genre. Bravo. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, je te dirai comment t'en passer. Alors là. C'est pas la plus connue. Coluche. C'est Coluche, bonne réponse de Cannes. Applaudissements. Merci. Parenthèse.
Parenthèse, man. Pourquoi lire dans les lignes de la main? Parce que dans les lignes des pieds, c'est moins facile. Ça, c'est Michel Bernier, ça. C'est Michel Bernier. Tu m'étonnes. Bonne réponse de Cad. Merci. On a encore une petite. Si ce sont les meilleurs qui partent les premiers, que penser alors des éjaculateurs précoces? Des proches. Des proches. Non, c'est Charlotte, ça. C'est des proches. Non, ça aurait pu. C'est des proches. C'est des proches. C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Cad, encore. Applaudissements. Je voudrais savoir ce qu'en pensent les plus jeunes présents sur ce plateau. C'est Flo, Bruno et Manos qui sont les animateurs du 6-9, pour, si vous faites partie des 4 millions qui les écoutent le matin sur Énergie. Oui, jeune. Tu connais Flo, je te connais depuis si longtemps que j'ai l'impression qu'il est toujours jeune. Hein, ça, c'est... Mais c'est ton fils, non, j'en ai... Il a descendu d'un étage, en fait. Avant, il était là avec un Minitel. Comment vous... c'est vrai à l'époque. Ouais, tu tiens ça, Bruno. Qu'est-ce que vous pensez, en gros, de ce que les autres vont vous apprendre, sans remonter jusqu'au Roi Maudit? Qu'est-ce que vous pensez des autres comiques? En quoi ils vous inspirent et qu'est-ce que vous apportez, vous, de nouveau, Flo? Nous, les comiques qui nous inspirent le plus, c'est plutôt les gars de la Starac, en fait. Hein. C'est plutôt notre source d'inspiration au niveau humour. Donc, sinon, tous ces gens-là nous font rire. Nous, on n'est pas vraiment humoristes. Pourquoi on est là? On m'avait dit que c'est sur l'éjaculation précoce. Moi, je t'ai vu accompagner Dieudonné, donc... On va regarder un reportage pour voir l'ambiance entre vous. C'est toujours très intéressant de voir la radio le matin. Ça m'est arrivé de le pratiquer sur Europe 1 à l'époque. On se lève très tôt et on a la chance de pouvoir réveiller les gens. C'est quelque chose d'assez fort. Corinne Biès de notre équipe vous a accompagné donc, oui, lors de ces 7-9. Regardez. 5 secondes. 4. Ça nous fait 3, plaisir. Moi, je suis 5h59. Bonjour. La nouvelle parodie du 6-9 pour attaquer ce matin. Sur le plateau, tout n'est pas si rose. Tu ouvres le rideau, tu te décomposes. Y'a ton ex qui se gratte et pour cause. C'est celle qui t'avait refilé une mycose. Renaud, c'est animateur. Manu, il fait un peu ses personnages et puis l'humeur. Et puis moi, je suis censé balancer des vannes. Je suis sniper, ils disent. Je vais vous demander si c'était pas dur de faire rire à 6h du matin. Faire rire à 6h du matin, nous faire rire, nous, non. On a la propension à 6h à pouvoir rire à n'importe quoi, regardez-les, je vais leur dire un mot. Et surtout, ouais. Manu va pleurer derrière, regardez bien, regardez. Bruno. Porte. Ça fait du bien, ça détend. C'est-à-dire que le matin, tu commences par des trucs super chiants. Déjà, il faut se lever, c'est chiant. Il faut prendre la douche dans la salle de bain où il fait super froid, donc t'as les pieds qui prennent sur le sol. Il faut se taper les embouts, après, il faut se taper son patron. Il faut se taper le café de la machine qui n'est pas toujours forcément le meilleur. Enfin, c'est que des contraintes en fait la journée. Donc, rire, on essaie de contrebalancer un peu ça. Si on arrive juste à leur déclencher ne serait-ce qu'un sourire, ou juste se dire, ah bah tiens, bah eux ils se marrent, la première chose que t'entends le matin au réveil, c'est des gens qui se marrent, oui, ça aide, enfin je pense. Hein. Bonjour, c'est Georges Brassens. Bonjour Georges. Putain, se lever le matin pour faire un liner 4 secondes, c'est les boules. Le 6-9, si c'était un film, ce serait pareil. Une belle merde. C'est beaucoup d'impro ou c'est très travaillé? Bah, regarde. Tout est écrit. Regarde. On l'imprime et même on le publie. Hein, voilà. T'as une trame de l'émission qui est préparée la veille, toutes les fausses pubs et tout ça qu'on a gratté et enregistré la veille. Après, on joue beaucoup sur la presse, bien sûr. L'avantage, c'est que nous, quand on fait une mauvaise vanne et qu'on prend un bide, au moins, de toute façon, on ne sait pas si les gens rient pas. Donc, au moins, c'est moins stressant. Quoi. Un comique sur scène, quand il foire, tout de suite, ça ne rit pas. Là, nous, si c'est pas drôle, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que 6-9, c'est parfait dans les embouteillages. Et heureusement, moi, j'ai pas de voiture. Il paraît qu'une femme qui est à moitié conquise. Ouais, mais tu sais, le problème, c'est l'autre moitié. Hein. Ou alors tu dors avec une jambe et un demi-tronc, quoi. C'est un peu le problème. Vous en servez pas un peu? Vous en jouez pas un peu? Bah, on a pas le choix, hein. T'as vu nos gueules, hein. À un moment, faut bien qu'on ait un ou deux atouts. Hein. Je trouve que c'est dommage parce qu'on vous voit pas, alors vous êtes charmante, venez avec moi. Non mais c'est vrai, on se dit qui sont les gens qui posent les questions chez Ça se discute. Ben voilà, par exemple, vous en faites partie. Et c'est dommage qu'on vous voit pas plus souvent à l'antenne parce que vous êtes ravissante. Et il se passe quelque chose entre nous, il y a quelque chose de fort qu'on est en train d'échanger. Et je sais pas où ça va finir, mais ça finira à un moment donné ce week-end, peut-être à Venise, sur une gondole. Voilà, vous êtes mariés? Non. Ça va m'apprendre à mariée, hein. Coupé, on se casse en week-end. Et tu dis que c'est pas souvent rigolo le matin, qu'une journée ça commence forcément mal, Florian. Oui. Et comment vous faites pour transformer ces mauvaises humeurs en bonne humeur? Si c'était rien passé, on laisse passer ça ou pas? Comment on fait? Je sais pas. L'actualité, tous les jours, ça vous inspire? Ouais. Vous y arrivez tous forcément, les jours? Forcément, ouais, bien sûr.
Bah, c'est avoir la propension à essayer de rire de tout, quoi. Tu vois, j'allais dire, tu le sais, on peut se tutoyer ou pas ouais. Vous le savez, Jean-Luc. Ouais, si mon papa regarde, il va dire, oh là, il tutoie Jean-Luc Delarue. Vous le savez, monsieur Delarue. C'est une allure, tu tiens ton micro comme Eros Ramazzotti. Mais mec, je peux chanter comme Eros Ramazzotti. C'est incroyable. Vos auditeurs, en quel âge? 15-25 ans. Ouais, c'est assez large. Bah, on en a beaucoup, donc ça veut dire que c'est assez large, mais c'est de 15 à. À 25 ans, on les relâche et on les refile la nostalgie. Enfin, ils nous reviennent. Voilà. Bon, à 13 ans, Skyrock nous les envoie. Donc là, on les redresse pendant 3-4 ans. Non, je peux avoir un cadeau. On les a, ouais, non, c'est 15-40 ans, ouais, je pense. On n'a pas entendu Manos. Manos, qu'est-ce que t'inspire cette émission? Il parle pas, en fait. Il est mime dans l'émission. Non, mais en fait, moi, je vais prendre un petit peu des réponses de tout le monde, parce que tout le monde a très bien parlé. Et je vais finir avec la réponse sur les rats de monsieur au début de l'émission, qui était très bien aussi. Merci Manos. Tu veux pas te lever et nous faire une déclaration ce soir? Une petite imitation. Oui, tout à fait. C'est l'imitateur officiel. Ah oui. C'est ça. Et l'imitateur de Dieudonné qui est à côté de moi. C'est venu. Bonjour madame. Ah ben là. Les deux sont. Désolé. Comment ça, madame Fogiel d'émission? Bon, non, écoute. Oui. Et Ellie, tu le tiens bien? Non, parce que c'est quelqu'un qui est assez qui fuit beaucoup, donc je le tiens très mal, il tient mal en tu place. Pas, Monsieur Patel, un c'est peu. Une personne. Écoutez, je vous invite à nous laisser tranquille. Vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un imposteur, monsieur. Je vous invite à sortir parce que vous ne faites rire personne. Vous ainsi que vos camarades de la gaudriole française qui font chier tout le monde depuis le début de cette émission. Il y a Claude qui a dit un truc bien, etc. Et puis aussi, c'est de la merde. C'est la bande du 6-9 d'énergie. J'ai l'impression, vous, Tomer, d'essayer de parler d'un certain ras-le-bol de la société française, des jeunes en particulier. Ah, pas du tout. Vous êtes un comique sans message? Si, bien sûr, il y a des messages, mais ça n'a rien à voir avec le ras-le-bol des Français. C'est mon ras-le-bol à moi. Alors, c'est quoi? C'est quoi votre, ou pas. Votre ras-le-bol à vous, c'est quoi? Ah, bah, tout, la plupart des préjugés. L'idée du sketch « Je suis juif et arabe », ça raconte quelque chose. Les religions, plein le cul des religions, donc j'en parle et je les casse. Tomer Sisley sur scène, regardez. Moi, j'ai appris une grosse nouvelle en fait aujourd'hui que j'ai partagée avec personne encore, c'est que ça y est, je suis papa. Merci. Merci. Non, merci, merci. Non, maintenant c'est sûr, hein, le juge a été formel, il a 4 ans. Moi en fait, quand j'avais genre 9, 10 ans, j'étais persuadé que toute ma vie j'allais faire du sport. Je voulais devenir athlète de haut niveau. Et je ne le suis pas devenu parce qu'à chaque fois que je parlais avec des athlètes de haut niveau, ils m'ont dissuadé complètement. Et à chaque fois, ils me disaient, fais gaffe, Tomer, le sport c'est comme une drogue. C'est eux qui le disaient, hein, le sport c'est comme une drogue. Et moi j'ai encore jamais rencontré un mec dans la rue en train de faire, hey, viens voir. Ça te chauffe à 100 mètres papillon? Moi, je pense qu'il faudrait interdire les tests dans les magazines féminins. Ça nous pourrit la vie. Et moi, mon ex-meuf, à chaque fois qu'on prenait la route un petit peu pour voyager, elle me faisait passer ses tests. Elle était là, assise à côté de moi, comme ça, avec son magazine sur ses genoux. Alors, votre homme est-il du type fidèle? On joue? C'est super stressant. C'est parce que ça ressemble à un jeu, mais nous, on sait que les résultats, ils comptent pour vous. Moi, j'étais obligé de m'arrêter sur les aires d'autoroute tous les 5 km pour me détendre. Et une fois, il y a un mec qui est venu me voir, il flippait. Il m'a dit, j'ai répondu D à la 4, c'est bon ou pas? C'est compliqué, ce comique, le stand-up. Comment tu le vis, toi? Oui, moi, j'en fais un petit peu... oui, c'est compliqué pour un petit pudique comme moi, quoi. C'est-à-dire que moi, ça m'arrange bien d'être dans des personnages. Et puis, d'en sortir, c'est un peu spécial, quoi. Mais c'est très agréable. C'est très agréable. Mais je voulais dire, rebondir là sur le sujet du racisme, etc. Ah, tu as joué moi, des racistes, j'ai un peu... justement, quand je fais un peu de stand-up, je parle des Arabes. Et c'est très bizarre parce que d'habitude, quand je disais... enfin, je parle des clichés et je dis... enfin bon, tout ça, c'est pas pire que l'arabe, hein. Enfin là, vous permettez que je prenne mon temps, parce que l'arabe, hein, y a trop de choses à dire. Puis bon, j'ai envie de retrouver ma bagnole ce soir, moi. Hein.
Mais c'est bizarre parce que ça faisait beaucoup rire il y a quelques semaines, quoi. Et là, bizarrement, à chaque soir, je sens qu'il y a une sorte de recul, comme si c'était bizarre. C'est ce que tu dis dans le reportage tout à l'heure, c'est quand ça va trop mal, on ne rigole plus. Comme si là, tout d'un coup, on ne pouvait pas ni parler des Arabes, ni des Juifs, ni des... C'est ce que je fais d'ailleurs. C'est très bizarre. Qu'est-ce que t'en penses ? Une sorte de recul, en ce moment. On peut en parler, c'est simplement, effectivement, tout à coup, il faut qu'on fasse plus attention à ce qu'on dit et à comment ça peut être perçu. C'est le sujet le plus sensible du moment, enfin, je veux dire... Et les religions aussi, c'est pas mal. Oui, les religions, mais moi, j'en parle pendant un quart d'heure, moi, des religions, et je les passe, mais toutes, elles en prennent toutes pour leur grade. C'est simplement la manière dont tu le fais, si tu le fais avec tendresse, si c'est pas pris comme de la méchanceté, ça passe. Moi, je fais une vanne sur les hindous. J'ai à un moment donné, je dis voilà, on a fait le tour des religions, tu vois. Ah non, les hindous, on a oublié les hindous, tu vois, avec leur point rouge au milieu du front là. Vous êtes ici. je suis en mode veille. Attention, batterie faible. Bon, eh ben, c'est pas pris méchamment. Mais non, mais bien sûr, je comprends. Parce que les hindous aussi, ils brûlent pas des bagnoles en banlieue pour l'instant. C'est pas ça que je dis, c'est que ça semble moins sensible et que tu as raison de faire ce que tu fais, casser les religions, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vais juste dire que c'était, quelquefois, il faut se méfier des ennemis qu'on prend pour faire rire, parce que quelquefois, c'est pas grave. Il faut se méfier ou il faut se lâcher, Michel ? Non, je veux dire, par rapport aux idées qu'on peut véhiculer. C'est important d'en rire, c'est à partir du moment où tu oublies d'en rire que ça forme des extrémistes. Élie, tu disais qu'il ne faut pas laisser de place au sous-entendu. Voilà, c'est ça. Il faut savoir, on peut se moquer de tout, mais il faut savoir de quoi on parle. Il faut avoir un minimum de respect pour ce dont on parle. Et pas laisser place pour du fantasme. Il ne faut pas qu'il y ait de sous-entendu. Non, pas parenthèse, man. Et pas n'importe où non plus. Mais c'est souvent, on nous pose souvent la question, d'ailleurs, vous ne l'avez pas posée, Jean-Luc. Peut-on rire de tout ? Voilà, peut-on rire de tout ? On nous dit, est-ce qu'il y a des sujets. Oui, je pense, oui. Bah oui. Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'abordez pas ? En fait, on peut rire de tout, mais ça dépend de la manière dont on l'aborde. Par exemple, Pierre Desproges, vous pouvez parler du cancer, de la maladie. Mais on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est sûr. Mais il faut savoir écrire n'importe qui. Mais si c'est drôle, et puis c'est les gens qui vous donnent l'autorisation aussi. Ouais. Mais nous, avec Dieudo... Je peux parler. Oui. Tiens, va nous chercher une bière. Non. Je pense, moi, personnellement... Moi, j'ai choisi un sujet qui est assez délicat pour en faire une trame rouge, pour un fil rouge de spectacle, qui est le bonheur. Et c'est pas tout le monde qui a le bonheur. Et ça a pu choquer des gens, peut-être. Non, j'ai choisi le bonheur parce que... Ah oui, non, parce que là, effectivement, c'est mettre la barre assez haut, parler du bonheur. Oui. Ce que disait Élie, c'est juste les sentiers interdits. Là. Mais effectivement, il faut faire attention aussi de pas être méchant, moi, je pense, parce que c'est de la facilité. Ça, c'est l'intention. C'est dans l'intention qu'on sent la méchanceté. Ouais. Puis de choisir des sujets, des fois, un peu plus comme le bonheur, c'est difficile d'écrire sur un truc qui peut sembler beaucoup plus gentil, comme ça. C'est marrant parce que, tu vois, comme il fait Stéphane, il est décalé vachement, en fait. Donc, c'est ça le truc aussi dont peut-être tu parlais, c'est qu'il y a des moments où il faut aller risquer dans des trucs. Il y a aussi des différentes formes d'humour. Il y a des gens qui rigolent avec... Enfin, tu vois, c'est facile de rire avec certains thèmes, et puis d'autres peut-être plus difficiles, quoi. Plus décalés, plus surréalistes, plus... Tu vois, c'est ça qui est bien aussi, parce que... Et c'est pas forcément évident. Plus dans l'imagination que dans l'imitation, ou dans la reproduction. Oui, ou dans des trucs complètement, je sais pas, dingues, ou... de rire de... Quelquefois, moi, je ris un jour d'une... J'ai que mon fiancé est paralysé, parce que je l'ai pas tué, mais j'ai paralysé. Il y a une dame qui est paralysée dans la salle. Alors, personne ne rit, parce que la dame est paralysée. Mais elle aimerait bien peut-être qu'on rigole avec elle. C'est pas grave, parce qu'elle est paralysée, qu'on peut pas... Tu vois, il y a tout ce truc-là. Et j'ai un journaliste qui m'avait reproché un jour, on recevait des petits-enfants qui étaient tous malades, et en fait, on s'était bien marré pendant toute cette émission. Qui a dit quand même, vous rigolez, les enfants sont malades. Tu dis quand même, ils sont malades, s'ils n'ont pas le droit de rigoler. Oui, c'est horrible, ouais, exactement. C'est pour ça que je parlais de la maladie tout à l'heure, et du fait de rigoler. Je trouve ça super ce qu'elle fait, cette femme, et pourquoi elle est bénévole. Elle est bénévole en plus, c'est-à-dire qu'elle fait ça que pour faire du bien aux gens, quoi. Et sur scène, des fois, moi, je me souviens, à un moment donné, j'entendais quelqu'un crier dans la salle à tout ce que je disais, où il rigolait beaucoup plus tard, mais très fort. Là, j'ai dit, il se paie ma tête. Alors, j'ai commencé tranquillement, il lançait des vannes, mais je le voyais pas, une grande salle. Et puis, à un moment donné, je me suis tanné, j'ai descendu en bas, puis j'arrive, puis il est dans un fauteuil roulant, puis je le vois qu'il apprécie.
Puis je l'ai salué, je l'ai embrassé, puis j'ai... Puis lui aussi, il rigolait, mais moi, je pouvais pas savoir. Sur scène, souvent, on se sent mal sur scène. On se dit, ah, oh, je fais un mauvais spectacle. Puis au contraire, on fait un très bon spectacle. Parce que c'est pas comment on se sent intérieurement qui... ça veut rien dire. Des fois, on se trouve très bon, puis après, on parle à notre entourage, puis on dit, ah, c'était un peu mou. Alors, des fois, le fait d'être fragile un soir, d'être malade, des fois, on donne un meilleur spectacle parce qu'on se bat sur cette énergie du désespoir. Et puis, les gens sentent ça. C'est très, très fragile. Je voudrais avoir le point de vue de Sophie Fort là-dessus. Sophie qui est donc qui est une ex-comique de son propre gré. Vous avez commencé au Petit Conservatoire de Mireille. Exact. Si c'est pas mignon. Vous avez été repérée au Festival de l'humour de Trouville. Ça s'est enchaîné assez vite. Oui. À 25 ans, vous étiez déjà une humoriste reconnu. Qu'est-ce que vous gardez comme bon souvenir et comme moins bon souvenir de cette vie trépidante de l'époque? Je garde des très bons souvenirs de scène. Moi, j'adore toujours faire rire. On avait parlé tout à l'heure du fait de plus avoir envie de faire rire. C'est pas vrai. Moi, j'adore faire rire, mais j'aime bien quand le rire bascule dans l'émotion et j'aime bien quand le rire vient désamorcer l'émotion aussi. Alors, c'est ça, ça fait un tout. Pour moi, le spectacle, c'est un tout et c'est ça que j'ai envie de défendre aujourd'hui. Et vous disiez que ça vous avait enfermé dans des personnages un peu caricaturaux, oui, et même qui déteignaient un peu sur vous, dans votre vie de tous les jours. Non, ça, c'est, c'est le comique qui descend de scène. Ça, non, c'est... non, j'étais un peu enfermée, c'est vrai, et j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'une autre dimension. Et on parlait aussi du stand-up, c'était une façon aussi, par la chanson, par la musique, d'aller vers les gens différemment, d'être beaucoup plus naturel, plutôt qu'être enfermé dans des personnages. Puis moi, j'avais toujours des personnages atroces, super aigris, très méchants. Enfin, j'adorais faire ça, hein, cela dit. Mais c'est vrai que j'avais aussi envie d'autre chose. Voilà, donc les bons souvenirs, c'est beaucoup la scène. Vous vous êtes dit qu'à un moment, ça pouvait déteindre sur votre nature profonde, sur vos comportements dans la vie de tous les jours? C'était le regard des gens qui était qui avait une influence sur moi. J'étais la petite rigolote cynique, un peu cruelle. Puis je me disais, je suis autre chose aussi, j'ai envie de faire autre chose. Je me suis donné ma chance de faire autre chose, voilà. Pour vous, les humoristes sont en recherche d'amour perpétuel? Je le crois, oui, mais pas seulement les humoristes, les gens qui montent en scène, les gens qui ont besoin d'être reconnus. Moi, j'étais très timide et je faisais rire parce que je voulais être reconnue, aimée et acceptée, voilà. Ça représentait quoi pour vous de faire un disque, Élie, qui est un très joli disque d'ailleurs, que, enfin, on a le même genre de musique en plus. Ah oui ouais, ouais. Qu'est-ce que ça représentait? Non, non, mais voilà, entre nous deux, faites pas attention. Ils n'assument pas leur côté. Oui, on l'a acheté l'album, on l'a acheté en plus. Leur côté, qu'est-ce quoi, que ça représente? Un peu, premier degré de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai simplement assumé mon côté mélancolique. Non, c'est vrai, il a assumé. Et aimant cette ambiance de crooner. Voilà, je l'ai fait avec une grande sincérité, ça s'est bien passé. On ne s'est pas trop foutu de ma gueule, à part quelques amis humoristes. Mais parce que aussi, ça vient d'une gêne de leur part. Parce qu'ils ont, du mal aussi à exprimer... On aimerait bien à exprimer, faire. Voilà. Et pourquoi pas? J'en suis sûr, en plus. Cad, ils chantent tout le temps, en plus. Ah, moi, j'arrête donc, pas. Mais je suis sûr que la plupart de ceux qui se foutent de ma gueule, genre Eric et Ramzy ou ces deux petits rigolos, ils adoreraient chanter... même Gad, avec qui j'en parle tout le temps, bien, avec lui, ils adoreraient faire ça, des chansons d'amour. Mais c'est dur de faire le pas entre le mec qui fait rire et celui qui se prend au sérieux, qui prend un micro et qui chante... Ouais, voilà, c'est vrai. Ce que vous faites, Sophie, c'est le sens de votre démarche. Aujourd'hui, vous êtes maintenant, vous faites un disque. Oui, et vous allez chanter sur scène. J'ai sorti un album et ça fait 5 ans maintenant que j'ai un groupe et que je chante sur scène. Je fais pratiquement plus que ça. Oui, c'est vrai. Vous vous sentez bien? Je me sens bien. C'est une démarche justement pour aller vers une certaine émotion que je ne trouvais pas avec le comique. Maintenant, ça va évoluer vers d'autres choses. Là, je fais un spectacle pour enfants, actuellement aussi en chanson. Je fais rire des enfants et c'est merveilleux de faire rire les enfants. C'est différent. Encore autre chose, c'est différent. C'est une aventure incroyable. Quand vous êtes devenue maman que ça a changé des choses? En tout cas, l'écriture pour enfants, oui. Avec mon premier enfant, oui. J'ai eu envie d'écrire pour eux à ce moment-là. Comment va le deuxième? Là, il se marre bien, il bouge, il a l'air content. Il a passé une bonne soirée, lui aussi. Ouais. Très bien. Je crois qu'il est ravi, oui. Merci Axel Kahn, Manon Rejoindre pour la conclusion. Monsieur le généticien. Grand généticien, que la terre entière nous envie. Patron d'une serve, tout ça. Bonsoir Axel, vous avez passé une bonne soirée? Très bonne, ma foi. J'ai cru que vous alliez dire non, alors j'ai eu peur. Alors, qu'est-ce que vous en garderez de cette soirée? Écoutez, premièrement, ils m'ont tout à fait convaincu qu'ils s'adressaient pas du tout à mes petits rongeurs, mais à des humains. Et ce qui est fantastique, et je ne dirais que ça, c'est qu'évidemment, le rire est une émotion, mais une émotion qui a un pouvoir de sédition extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle il s'agit d'une arme de liberté à nul autre pareil. Car... ce qui fait rire, quand je vous ai écouté, vous m'avez fait rire, ce qui fait rire le plus, c'est que vous touchez du doigt l'absurdité du monde et des situations. Et quand vous avez touché du doigt l'absurdité de l'imam, du grand prêtre, du raciste, de la personne avec ses petits travers de la vie,
immédiatement d'abord vous êtes libéré parce que vous avez tout effacé, vous avez remis les compteurs à zéro et vous les regardez d'un autre œil. Par conséquent, le rire, cette émotion séditieuse est certainement la meilleure arme contre tous les fanatismes. C'est véritablement une arme de liberté. Le rire est un élément de démocratie. Merci. Entrez dans le monde d'Axel Kahn avec Le secret de la salamandre aux éditions du Nil. Je vous remercie tous nos invités, vraiment, c'était vraiment très agréable de vous recevoir. Tu veux dire quelque chose, Kahn? Qu'est-ce que... Au début, c'était bon, les c'est vrai. C'est vrai, je m'en donnais, nous, on a raconté n'importe quoi. Il arrive, tac-tac, les chevaux, les arbres, les salamandres. Je voudrais vraiment encore remercier nos invités. Et je voudrais vraiment pouvoir parler de leur spectacle. Ça, c'est un autre rire. Hein. Oui, c'est vrai. François-Xavier Demaison est à la Gaîté Montparnasse à partir de janvier. Stéphane Rousseau au Bataclan à partir du 17 janvier. Le même jour, Elie Semoun débutera au Casino de Paris. Clémentine est donc au Café de la Gare jusqu'à fin février. Anne de Pétrini démarre dans Jour de Neige au Palais des Glaces à partir de 19 janvier. Cadet Olivier au cinéma le 18 janvier. Qu'est-ce qu'il s'en passe des trucs en janvier quand même, Michel? Et moi, je serai au Chopi de la rue des Martyrs comme chaque à 12h30. D'accord. Pour une vente flash, suivie évidemment d'une séquence dédicace. Et Pierre Mathieu, tous les jours sur Comédie. Merci. On voulait vous faire découvrir ce soir un métier d'utilité publique. Merci aux comiques. J'espère que vous avez passé deux bonnes heures avec nous. C'était pas facile 2005. J'espère que 2006 se passera mieux. Merci, bonsoir. Pour un prochain Ça se discute sur les animaux, nous recherchons des témoignages. Votre animal fait la loi à la maison et vous ne savez plus quoi faire. À cause de votre animal, vous avez des problèmes de couple. Vous vivez avec un animal sauvage. Vous faites tout pour que votre chien vous ressemble, vêtements, accessoires ou allures. Enfin, votre animal s'est retourné contre vous et vous a attaqué. Contactez-nous au 01 53 84 30 55.